Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce petit stream du mardi après-midi, stream habituel. Je commence évidemment plus tôt, normalement c'est à 19h parce que le mardi je travaille, mais vous n'êtes pas sans savoir au vu des récentes actualités que la France est entrée en phase de confinement et donc je me confine également. Du coup voilà, c'est pas dit que je ne commence pas mes streams un peu plus tôt, que je ne fasse pas des streams supplémentaires. Cette période de confinement, c'est une période qui va être peut-être longue, où les gens sont chez eux, où je vais avoir du temps. Donc forcément, on risque de streamer un petit peu plus souvent. Et là, j'avais envie de me lancer maintenant. Donc voilà, merci à ceux qui sont déjà là. Je pense que la plupart d'entre vous sont également confinés. Donc du coup, il y a moins de gens qui sont encore au boulot à 17h40. Je pense que ça pose pas trop de problème que je parte un petit peu plus tôt en stream. Salut Adidas, salut à Storm des Embruns, salut à Breten, salut Nergul, salut Asbagel, salut Rabatovic, salut Murena, salut Kaka19, salut Nel, salut Breeros, salut Claudupl, salut Yorunigami, salut Wirios des Wix, salut Renard Goupy MTG, salut le petit Acacia, salut Modred Arthur, salut Munchak. Et salut à tous ceux qui arriveront par la suite, j'ai rattrapé le chat. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver, comme tous les mardis, comme tous les lives solo dans tous les cas. Aujourd'hui, j'ai pas prévu forcément d'avoir un stream particulier sur tel ou tel format. Je pense quand même faire de l'historique parce qu'on a mangé pas mal de standards. Merci beaucoup Didas pour le sub. On a mangé pas mal de standards les semaines précédentes. Donc si ça vous va, on va faire de l'histo. Mais si jamais vraiment il y a des gens qui demandent du standard ou quoi, ça ne me pose pas de problème de standardiser aussi un petit peu. Je vais revenir en tout début de stream aussi sur les points de chaîne. Ils sont enfin mis à jour. En accord avec PL, on a décidé de mettre en place tel ou tel point de chaîne. On ne sait pas s'ils sont élevés ou pas assez élevés. J'ai l'impression que certains peuvent être très élevés, mais parce qu'ils sont très contraignants. Genre typiquement, à rebuilder un deck, ça peut prendre tout un stream. Et nous, on n'a pas envie d'être pris en otage de nos points de chaîne et de pouvoir quand même animer les streams qu'on a envie d'animer. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait que forcément, à rebuilder, ça arrive peut-être qu'une fois par mois, quoi. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de streams, c'est pas comme si on streamait tous les jours. Donc si à chaque stream qu'on lance, quelqu'un nous demande un rebuilder, bah, c'est quelque chose qu'on va à terme, à force, faire à contre-cœur. On n'en a pas envie. Donc, gardez ces points de chaîne quand vous avez vraiment une idée incroyable, extraordinaire. Il faut que ça soit assez rare et que ça fasse envie. Autre exemple, si vous voulez nous faire Harry Builder, si je stream de 17h à 20h, ne me demandez pas le Harry Builder à 19h. Vous utiliserez vos points de chaîne pour rien. Je ne me sentirai pas obligé de streamer plus longtemps parce que vous avez utilisé vos points de chaîne. Il faut que ça soit fait dans le bon sens, dans le respect de tous, évidemment. Utilisez vos points de chaîne avec parcimonie. Demandez d'abord si jamais vous pouvez les utiliser à ce moment-là. Si par exemple je suis dans une dynamique où je suis à quelques games de passé mythique et que j'ai envie de rusher le ladder sur ce stream-là, avant de payer vos 80 000 points pour un Harry Builder, demandez d'abord dans le chat, hey Val, est-ce que ça t'intéresse que j'utilise mes points pour qu'on fasse un Harry Builder? Et voilà. Le but, c'est que ça soit que ça se passe bien, que ça soit cool pour vous, que ça vous permette de temps en temps de nous proposer un deck, de nous faire jouer un deck de nos collections, ou alors dans quelques rares cas, de rebuilder autour d'une carte que vous affectionnez particulièrement. Je ne sais pas, encore une fois, si nos points sont trop élevés, pas assez. Si jamais on a l'impression de être. Comment dire, ne plus être propriétaire de nos streams et que on nous demande tout le temps de jouer d'autres decks et compagnie, bah on mettra des points plus haut. Si on voit qu'au final le bon sens prime et que au final par-ci par-là sur certains streams on nous demande de temps en temps de tester un deck ci et là, évidemment on sera même prêt à peut-être baisser ses points de chaîne. Voilà, le but c'est vraiment que ça soit sympa pour vous. Qu'il y a un côté un petit peu exceptionnel, un petit peu rare, et qu'on ne soit pas pris en otage de nos streams parce qu'on reste quand même streamer et on a envie aussi de pouvoir animer les streams et jouer les decks que l'on veut pendant nos streams. Donc voilà, j'espère que le message est plutôt clair, que vous le comprenez et que ça va être cool, voilà, tout simplement. Après, si vraiment vous avez une idée de dingue, une carte de fou, ça fait des mois que vous voulez voir un build autour de telle ou telle carte, demandez en début de stream, hey Val, est-ce que ça te tente là aujourd'hui de rebuilder sur telle carte? Et puis on en discutera, quoi. Ça peut être cool. Alors,
Salut Moonshack, tu penses que ça vaut le coup d'investir dans le Secret Lair qui arrive fin mai avec les Fetchlands de Zendikar? J'aimerais bien avoir ton avis. Ouais, alors tu vois, typiquement, je suis pas cosmétique, je suis pas Secret Lair, je suis pas, j'ai pas consommé du Secret Lair jusque-là. Merci beaucoup Trollski pour le sub. J'ai pas acheté les précédents et compagnie. Par contre, là, le Secret Lair qui arrive avec les Fetch, moi, il m'intéresse. Je pense que je vais être client même et que je vais probablement le prendre parce que c'est des bonnes cartes qui sont difficiles à trouver, difficiles à récupérer. Qui ont une certaine valeur. 150 € pour les 5 landes, ça fait 30 € le land. Et en vrai, bah, c'est pas plus cher que ce combien il coûte sur le marché. Si tu veux aujourd'hui alors comment il s'appelle le fetch land Izet Enfin bref, si tu veux ces fetch lands là, surtout ces alliances de couleurs là, bah, ça coûte très très cher. Et une Scarding Tarn, voilà, pardon, j'ai retrouvé le nom en anglais, et bah, ça peut coûter beaucoup plus cher que 30 € le land. Donc effectivement, le pack est un peu cher, mais je pense que ça les vaut. En tout cas, moi, je pourrais être client de ça. Choix du deck utilisé. Alors, qui c'est qui a utilisé ces 8000 points? Salut Shayanzu. Pour que tu naribules de pas. Non, 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 ne dépense pas tes points de chaîne pour que je naribule de pas. Qui c'est qui a utilisé ces 8000 points pour choix du deck? C'est Valou Vizir qui s'est trompé de bouton. Ah, je suis désolé que tu aies perdu tes 8000 points, Valou Vizir. Bon, après, je crois que les points, ça se refarme assez facilement. Il suffit juste de regarder les lives. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur les points de chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à reposer les questions. Je pense que j'en reparlerai pendant le stream. Voilà, vraiment le but, c'est que les points de chaîne, ça soit un petit plus pour vous, mais que ça ne phagocyte pas tous les streams. Voilà, si à tous les streams, on me propose de jouer 10 decks, je vais devenir fou. Je vais pas avoir envie de le faire et ça va être un petit peu chiant, quoi. J'en suis très triste. Et j'espère que non, Valou Vizir. Salut Porcène Mousse, du coup tu n'es pas encore en confinement, si tu sors du boulot, bah écoute, courage à toi. Courage aussi à tous ceux qui sont confinés. Le but maintenant c'est de respecter la règle, les règles, et puis que tout se passe pour le mieux, quoi. Voilà, j'espère que ça va bien de votre côté. Oula, le son est bien fort. Je vais le baisser un petit peu. Musique, volume principal, voilà. Salut Bérondel, salut Sandfer, salut Nécrotique. Toi, tu taffes demain. Ok, salut Wereos. Courage au confiné. Ouais, bah, tu sais, après, il y a des gens qui vont forcément vivre plus mal que d'autres le confinement, et c'est normal, mais quand t'es jeune, que t'as accès à Netflix, à YouTube, que tu sais que tes proches sont en sécurité, que t'es avec ta compagne ou. Que tu as accès à Internet ou même que tu peux streamer ou quoi. Disons qu'on n'est pas les plus touchés par le confinement, donc forcément, moi j'ai plus de respect pour, par exemple, les personnels soignants qui, eux, sont obligés d'aller au travail tous les jours dans des conditions pas faciles. Donc voilà, je pense que une certaine tranche d'âge, une certaine catégorie de personnes, pour eux, le confinement, c'est un peu chiant parce qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre d'être enfermé. Mais voilà, il y a pire. En tout cas, il le faut, c'est important. Il faut qu'on respecte tout ça tous ensemble. Et je pense que c'est le moindre mal, entre guillemets. Voilà. Ils m'ont juste ajouté Finé. Salut, c'est Gaïa. Les profs télétravail, ben, je crois, je ne sais pas, Corbillan. Moi, je ne suis pas prof. Donc, j'ai pas besoin de télétravailler, moi, pour l'instant. Salut Polo. Alors, qui c'est qui utilise 200 points? Ah, d'accord, c'est pour mettre le message en avant. Salut Sparrow. Je vois de plus en plus de decks Esper Control en rang platine. Un avis sur le deck? Si tu parles en standard, aucune idée. Je pense que c'est pas très bien Esper. Je pense que c'est un mauvais deck et que ça perdra contre Sultai et Bant. Donc, je crois que c'est juste que les gens essayent de trouver un bon Esper, mais je valide pas le paquet. Est-ce que tu penses que Voleur de Sénité est jouable en Sultai? Tout est jouable en Sultai, mais je pense qu'on n'a pas la place. Si tu veux vraiment jouer en Sultai, je pense pas qu'il faille jouer Voleur de Sanité. Pour Sultai en standard, j'avais envie de faire quelques modifications au vu des decks qui ont perfait avec le Mythic Qualifier Weekend. Notamment, je voulais ajouter comment ça s'appelle? Des Kefnet, parce qu'il y a un mec qui a fait 10 victoires avec Kefnet, et c'est un play stabilisant, qui est fort contre contrôle, qui tient l'agression et qui prend pas Claim the Firstborn. Donc je pense que c'est une bonne carte.
Je pense que c'est cool, que c'est intelligent comme carte et ça permet de faire de la value avec des trucs comme Victime de la guerre, Gust, Effacement des pensées, Mépris du tyran. Donc why not? Je pense qu'on veut plus les rituels de Swimmen deck. Je crois que Mono Rouge est devenu un peu plus tranquille comme deck en tout cas. Et qu'est-ce qu'on voudrait? Je pense qu'on voudrait juste un mépris de plus. Je sais pas si on veut autant de Narset. J'aime bien avoir un Polycranos. Non, je trouve que c'est pas trop trop mal. Peut-être que les Linley c'est un peu too much. Que du coup on voudrait une victime dans le side. Je fais un peu les modifications par rapport à ce qui est sorti un petit peu de ce week-end de Qualifier. J'essaye de rebuild un peu le paquet. Ah ouais, il y a une carte que je voulais absolument tester, c'est Liliana. En main deck. Je pense que c'est pas trop mauvais. Ah, on n'a plus de Tamio, c'est pas possible. Ouais, il y a des listes de decks qui ont fait 10 victoires. Tu peux trouver ça assez facilement sur Google, ouais, effectivement. Non, je trouve que Massacre Girl, c'est une très mauvaise carte, notamment parce que Rakdos Sacrifice, tu arriveras jamais à proc ta Massacre Girl. Il va toujours sacrifier une 1-1 pour t'empêcher de proc. Et en fait, du coup, bah, tu vrasseras jamais son board. Et c'est juste catastrophique, quoi. C'est inacceptable. Non, pas possible pour moi, Massacre Girl. C'est testé et vraiment désapprouvé, pour être très honnête. C'est-à-dire Polo 624. C'était une bonne vrasse contre Monored. Ouais, le problème c'est qu'il y a autant de Rakdos Sacrifice, voire plus que de Monored. Je peux pas jouer une carte qui répond qu'à Monored et qui répond pas à Rakdos Sacrifice dans ces spots-là. Tac, tac. Est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir une Nissa supplémentaire? C'est fort probable. Par contre, qu'est-ce qu'on cutterait pour avoir cette Nissa en plus? Est-ce que ça serait pas dans une Krasis? Probablement en fait. Hein. Parce qu'on veut quand même aller agresser les paquets réclamations là qui reprennent un petit peu le contrôle. Pardon, le contrôle du méta. Rafale, j'aurais 4 disputes du coup. Et j'aurais une negate, je pense. Tout simplement. Une Tamio, c'est pas léger. C'est probablement léger. Après, il y a plein de decks qu'en joue plus. Je suis un peu tiraillé. Je ne sais pas trop. Alors aujourd'hui, moi, je voulais aller continuer à mettre à l'épreuve du feu ce Jeskai Tax humain. Deck qu'on a créé ensemble vendredi matin pendant la. Ah non, lundi matin pendant le lundi Val. Bah, du coup, c'est une Matival, mais lundi matin. Voilà, puisque le confinement avait commencé pour moi dès lundi. Donc forcément, j'étais là. Pour streamer, j'avais lancé un petit stream et on avait buildé ça en historique et c'était fort satisfaisant. Et ben, je propose d'aller continuer à jouer ça sur le ladder pour tester un peu en ladder historique. Ça avait l'air cool. Salut Charles, ouais, la pêche et toi? Télétravail aussi, j'imagine. Je crois que t'as pas. Update le nom du stream. Pourquoi j'ai pas update le nom du stream? Val se confine sur le ladder. Point exclamation. Isto ou Stando? Je crois qu'on est bon là. Non, parce qu'on aura rarement 7 mana pour que ce Dragon Master soit viable en fait. Ah, j'ai rossé vous si vous pouvez. Bah vas-y, actualise. Tu vas voir. On va faire juste sortie tour 1, tour 2, tour 3 et ça marche bien. Hein. Du coup ça c'est un. Pour ceux qui n'étaient pas là lundi matin, on a buildé ça. J'ai buildé ça avec l'aide du chat. Et en gros, c'est une espèce de Jeskai Human qui veut jouer pas mal de 8 beer, donc des 2-2 qui ont des capacités de disruptive. Et puis qui veut aller mettre des points, quoi, tout simplement, un petit peu sur une mécanique Winnie White. Et ça marchait pas trop mal dans le méta historique pour le coup. C'était assez probant les résultats qu'on a eu.
Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir en tour 3 de la part de Monsieur Argiac? Genre Brise-Sort-Grûle? On serait très content de ne pas se prendre un Brise-Sort-Grûle ici. Brise-Sort-Grûle, ouais. Ouais, c'est 6 manas, mais que ça soit 6 ou 7 manas, de toute façon, c'est Gaïa, c'est juste beaucoup trop, quoi. C'est pas acceptable de jouer Dragon Master là-dedans. Exactement, Shaunzu. C'est Lancelot qui a pris ma place. Quelle tristesse, enfin, quel plaisir pour lui, mais quelle tristesse pour moi. J'ai été remplacé, hein. On peut bloquer comme ça si je joue ça. Et en même temps, je peux juste re-ingérence du mage. Redire Brise-Sort-Grûle, parce que ça avait l'air de l'emmerder étonnamment. Et pas perdre de pev. Je me suis fait grand remplacer, c'est-à-dire. J'ai envoyé un message à propos d'un problème Discord pour un tirage au sort hier soir. Ouais, Mousuke, c'est toi qui as gagné, je crois, hier soir. Dans ce cas, il faut que tu passes par Discord pour me. Bah, pour que tu me files tes informations que je transmette à Magic Bazar. Je crois qu'on va juste prendre 5 points. Je n'ai pas accès à Discord actuellement et refuse tout le temps mon mot de passe. Ah! D'accord, bah, donne-moi toutes tes informations. En fait. Mosuka, il faut que tu crées un compte chez Magic Bazaar si tu n'en as pas déjà un. Et l'adresse mail que tu as utilisée pour créer ton compte Magic Bazaar, il faut que tu me la donnes pour que moi je puisse la transmettre à Magic Bazaar et qu'il puisse créditer ton compte du 30 € de bon d'achat. Donc envoie-moi ces informations-là là, dans le MP que tu m'as envoyé actuellement. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait icône de l'ascendance, on bloque. Il a peut-être plein de Brise-Sort-Grûle, vu qu'il a rien joué, ça serait très drôle. Genre, j'adorerais. Du coup, on peut juste faire icône, je pense. Et dire human. Ah! Mince. Celle-là, elle est un peu grosse pour nous. On va. Bloquer comme ça et comme ça. Il restera que la bête de quête qu'on peut juste empêcher d'attaquer avec ça. Par contre, il peut libérer tous les Brise-Sort-Grûle qu'il a dans la main si jamais on trade là. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais, visiblement, ouais. Écoute, on va prendre. Ouais, je vais plutôt la tuer même carrément. J'en ai aucune idée malheureusement, Shayanzu. Hein. Normalement, je crois que dans le stream lundi, ils t'ont filé les liens adéquats. Je crois qu'il fallait faire des mises à jour sur ton Microsoft, mais j'ai pas plus d'explications malheureusement. Ah ouais, ça c'est chiant. Il joue ni ça dans un Gru, ce qui est étonnant lui. Hein. Non, il n'y a pas de musique parce que. Il n'y a pas de musique parce que ce stream est censé finir sur YouTube. Et sur YouTube, quand on met des musiques, on est strike et c'est chiant. Donc là, non, il n'y aura pas de musique pour ce stream-là. On peut Tajik et être sûr de tuer Nissa. Le problème, c'est que derrière, on est mort sur le comeback.
Et en fait, non, on n'est même pas mort sur le comeback grâce aux gardes du corps. C'est tout juste, mais pour l'instant, ça devrait tenir normalement. Ok. Ah, c'était pas prévu ça. Normalement, ça va tenir aussi. Ça tient pas. Ok, bien joué, Agriash. Ah, salut Matalsan. Effectivement, on a joué contre toi tout à l'heure. On tournait une vidéo et du coup, tu apparaîtras dans notre vidéo. Et le pire, c'est que comme tu nous as dit, oups, on a dit que tu étais un odieux personnage, Matalsan. Évidemment, on rigolait. Tu sais comment on traite nos adversaires dans les vidéos, c'est pour rire. Mais on savait pas que tu étais viewer. Et comme tu nous as fait le petit oups, on était là en mode oh là là, mais lui, c'est vraiment le pire. Donc c'est assez rigolo. Je pense que tu verras ça va sortir courant de la semaine. Et merci beaucoup pour le raid Thierry, bienvenue à vous. Bienvenue à vous les viewers de Thierry. On est en historique ici, on perd sur cette phase d'attaque, littéralement. On est à 4, j'ai que 2 bloquants, bien joué. Ils sont sympas Valet PL, bah merci beaucoup Lolaska, bienvenue. Alors, lui il joue des Nissa dans son Gruul, on sait pas pourquoi d'ailleurs, mais il en joue. On va juste rentrer les bonnes cartes. Et sortir les mauvaises. Le side c'est toujours simple, hein. Vous enlevez les mauvaises cartes, enfin, vous sortez les mauvaises cartes, vous rentrez les bonnes cartes, évidemment. C'est très simple à dire. Je crois que Talia ça fait pas grand chose si ce n'est de bloquer en initiative. Et percepteur de dîmes, par contre ça l'impacte un chouïa plus peut-être. Ou alors c'est les drop 1 qu'il faut cut, genre débarquement de la Légion ça proquera jamais contre Gruul. Salut Onla, bienvenue à vous. Bienvenue à vous, on est en historique, on joue à un Jeskai Human Taxes, un deck qu'on a buildé lundi matin en collaboration avec le chat. On a des résultats satisfaisants pour l'instant en historique, mais Gruul, ça a l'air d'être un problème quand même. Hein. Genre on a trop de drop 2, c'est sûr, je pense. Ok. Bon, c'est une sortie acceptable ça. Tour 1, tour 1, tour 2 de tour 1, tour 3 maréchal. Le problème c'est que c'est la sortie qu'on veut faire contre d'autres decks que Gruul quoi. Parce qu'en fait contre Gruul, les tueurs de géants, on va avoir envie de les jouer comme des anti-bêtes. Du coup la main elle est quand même pas. Elle est pas dingue en fait. Salut Kanzan! Ça fait longtemps que le stream est lancé, non, genre une grosse demi-heure, je pense. J'ai juste fait un point sur le standard en faisant les modifications enfin, en direct de ma version de Sultai en fonction un petit peu des decks qu'on fait 10 victoires récemment. Et j'ai fait aussi un petit point sur les nouveaux points de chaîne. Et puis après on est parti, là c'est la première game qu'on lance en historique. Pour les deux en fait, c'est un mix entre la Kappa et le Body, le fait qu'il soit vol de 3 et qu'il bloque les procs de Nissa, je trouve que c'est une bonne carte ce Tomic. Puis c'est un humain. Il faut le voir vraiment comme le but du jeu c'était jouer tous les 8 beers en fait, tous les 2-2 qui avaient des capacités disruptives. Et Tomic fait un peu partie de cette catégorie là quoi. Il y ressemble en tout cas. Salut Zanza. Ok, s'il fait une sortie turbo émissaire, on va juste avoir le démon. Sandrolian, pourquoi il joue Sandrolian? Il croit qu'on joue Tribunal du Conclave, c'est nul à Yesh ça. Sans cag. On va le bourrer, je pense. Bourrez-le!
Salut Creep Hunter. Eh ben je vais très bien et toi? Mais comment se fait que vous avez ce... Tout à l'heure Charles avait le même problème, il avait le titre qui était pas mis à jour, mais normalement c'est Val se confine sur le ladder, historique ou standard. Et genre normalement c'est pas censé être l'euro, c'est vous quoi. Tribal Jean ou créature Jean et soldat. Je sais pas si c'est plus charismatique que humain, je suis pas certain. Ouais, il était stylé Kanzan. Félicitations à toi pour le rush mythique, c'est cool. C'est cool, on va pouvoir continuer à bourrer. Après, il peut double bloc ici. Est-ce qu'il faut pas juste engager sa merde là? Celle-là de merde plutôt. Ou juste donner l'indestructible au maréchal Benalian et garder ça c'est sûr. Et garder ça up pour une potentielle créature plus tard. Du coup, on bourrerait juste comme ça et comme ça. Et on sacrifierait pour lui donner indestructible s'il double bloque. Ce qui serait plutôt décent en vrai. Mais on perd une créature. Mais lui, il en perd deux. Le trade n'a pas l'air favorable. Et ça, on pourrait bloquer. On peut pas bloquer un Brissorgul, donc faut peut-être juste bourrer avec aussi. Et là, dans ce cas-là, il peut nous double bloquer. Non, ça n'a pas l'air bien. Je crois qu'il faut attaquer que comme ça. Moi, je connais le prochain challenger du Rossez-vous, mais je ne l'annoncerai pas encore. Ok, nice. Ah, j'ai pas mis cardboard live, Kouza. Tu fais bien de me le dire. C'est bon, je l'ai lancé. Je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup, Modred Arthur. On sait bien que c'est Mengucci. Non, j'ai pas encore essayé de contacter Mengucci. Ce n'est pas lui. Hop, ça tâte ta bête, tu vois, j'en ai vraiment rien à foutre. Alors, combien on lui met là? On lui met 10, il a 11. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de se prendre? Genre bête de quête, non, puisqu'on a bloqué la sienne ici. Brissorgrul, ça représente rien. Il sera à 3 pev. Ça représente pas une menace. Embuscade de Domri, c'est fine. Ouais, je vais dire embuscade juste. En vrai, c'est pas dans ces matchs-là où Ingérence est la plus brillante. Hein. Ouais, j'aurais pu dire Humbercleave, mais il a pas son double rouge. Et au final, je vais jamais le laisser attaquer avec sa bête de quête. Donc si Humbercleave sur un F de la Noire, j'en ai pas trop peur. C'est à peine chiant. Ouais, elles sont cool les nouvelles émotes, Sigriff. Ok. Vas-y, on va continuer. Hein. Faut pas dire que c'est Mengu le prochain. J'en ai trop dit sur ça. Hein. Je vous ai dit que j'essaierais d'avoir Mengucci, mais moi, j'ai pas ces coordonnées. Je peux pas le MP, tu vois. Je suis pas dans ces petits papiers. Donc en vrai, je peux pas forcément le contacter, Mengucci. Donc, faudra forcément que je passe par Raph. Et je sais pas, genre Raph il a autre chose à foutre peut-être que de contacter Mengucci pour moi, tu vois. Donc pas tout de suite. Désolé pour le son. Ouais.
Ah mais c'est sûr, Imperia, mais le but c'est pas de le mettre en porte-à-faux devant tout le monde. C'est pas de faire un tweet qu'il tag et où il se sent obligé de répondre ou alors. Enfin, je trouve qu'une demande comme ça, une demande de collaboration, ça se fait en MP. Je serais assez gêné moi qu'on me propose une collaboration devant tout le monde, tu vois, en place publique. Sachant que si on veut vraiment le contacter, bah avec Raph on va y arriver. Enfin, on peut assez facilement le faire, quoi. Juste que j'ai pas forcément envie de les embêter avec ça, quoi. On n'est pas pressé. Ça, c'est un enfer pour notre deck. J'avoue. La santé Lumbercleave là. En plus, c'est pendant son tour. Ouais. Donc à 8K point chaîne. Non, t'as pas compris, Noobest. 8K, c'est pour jouer un deck que j'ai dans ma collection. Et Mardu Enchant, j'ai pas dans ma collection. Excusez-moi. Ouais, j'ai pris mon goûter en live. Je sais que c'est assez chiant et d'habitude je mange pas, mais mille excuses. Désolé, Super Gredin. Ouais, bon, cette game, on l'a perdue. Si jamais j'attrape le gobelin Zurta, il peut juste payer 3, bourré avec l'émissaire, on prendrait du coup 6. Je crois que c'est acceptable. Il y avait un autre truc qui nous permettait de faire un move sympa, c'était se piquer à 2, le laisser bourrer avec gobelin Zurta, il aurait pas rééquipé ailleurs pour contourner un tueur de géants, et on aurait pu tuer le Zurta Gobelin, c'était sûrement mieux. Maintenant que c'est joué, c'est trop tard. Je crois que dans tous les cas, on va prendre. Hein. Là, s'il nous attaque pour 7, je vais jamais donner une de mes deux bêtes, je crois. C'est une bonne question. Est-ce que je donne mes deux bêtes ou pas? Je pense pas. Ouais, j'ai fait vite, j'ai essayé de faire vite. Bête de quête, on peut pas tourner autour parce que nos cartes la bloquent pas dans tous les cas. Il land gobelin, t'as perdu. Non, pourquoi il landerait gobelin et j'ai perdu? Drop 2, il land gobelin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 4. J'ai pas le visu sur pourquoi s'il land gobelin, j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu, de toute façon, cette game-là, je l'ai à peu près déjà perdue, mais dans le tour, je comprends pas pourquoi je l'ai perdu. Salut ton pote! Il y a de grandes chances que ça soit un bœuf, et si c'est un bœuf, il paye 3, il équipe bête frappée d'amour. Il pouvait équiper un Burcliff s'il posait Gob et un Land. Bah ben non, il a posé un Land, il était à 3 Land, non? Ah, ok, peut-être que j'ai mal calculé, peut-être qu'il avait son cinquième Land dans ce cas-là. Alors. Au point où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut juste passer le tour et espérer qu'il fasse vraiment de la merde en fait.
Ok. Non, au final, je ne l'ai pas présenté, Shionzu, ça m'a pas été redemandé, donc je pense qu'il n'y avait pas de raison de le présenter pour le coup. Ouais, elf, on va accepter. Ok, ça marche. Ouais, je crois qu'il avait déjà landé. Ah, ok, il tourne bien autour de tueur de géants. On a un joueur ici. Dommage, j'aurais préféré tomber sur un peintre. Je fais pas trade une 2-1 dans une 1, c'est juste pas possible en fait. Ah, Clotis, c'est bien, ça on la battra pas non plus. Pourquoi il joue Clotis contre nous? Il a peur d'avoir un board stall et. En plus, c'est pas une créature, donc elle prend pas fin déconcertante, évidemment. Et du coup, tous les tours on prend deux, c'est ça l'idée? Si jamais je maréchale Benalian ici, qui décide de faire Tybrest sur n'importe lequel de ses 1-1, je peux normalement ne pas être mort. Je suis même pas sûr de moi. Bah ouais, la gratte c'est pas mal dans les batailles de board, mais enfin quand même quoi. Donc là, s'il décide d'attaquer et que je bloque son attaquant ici par exemple, je prendrai 2 et un 3. Donc là, je prends 3 s'il me bourre avec ça, plus 2, 5. Du coup, je suis mort si j'attaque avec la moindre carte. Enfin, je vais être obligé de donner mon maréchal sinon, ouais, c'est juste pas possible. Ouais, je sais pas trop pourquoi il joue Clotis, admettons. Ça paraît assez mou, pour le format historique en fait. Yes. Non mais effectivement, dans ce scénario-là, ça met les points. Ça justifie pas que ce choix soit un bon choix. C'est pas parce que là, spécifiquement, ça me met des points. Que c'est un bon choix de jouer cette Clotis quoi. Il y a plein de mauvaises cartes que vous allez jouer et qui vont se révéler être bien. Hein. Ça veut pas dire que c'était une bonne option de les jouer quoi. Suis obligé à payer du mana, je crois. Je passe à 1 avec Clotis là. Ah non, si. Il peut encore s'enlever des créatures de son propre côté. Comment je fais pour gagner des pèves? J'en gagne pas, je crois. Ça me paraît tellement compliqué ici de gagner. Si jamais il équipe, faut que je prenne 0 pèves, sinon je suis mort. Tac, tac, donc faut que je bloque comme ça, je prends 0 pèves, donc je peux bourrer avec ça et ça. On peut le faire. Oh, ça coûte pas de points, ça, Shayonzu. Ouais. Ouais. En gros, si on le tue pas maintenant, on a perdu. C'est ça l'idée. Oh, c'est tellement triste, quoi. Je lui mets combien en faisant ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui me tue forcément avec Clotis. Parce qu'il peut enlever une créature dans son propre cimetière, c'est ça? Exile une si c'est une carte de terrain. Sinon vous gagnez 2 points de vie. Ah ouais. Oh. Ah je suis trop déçu. On peut pas gérer Clotis, y a pas moyen là? Ah ouais, mais de toute façon, il y a plein de cartes qui me tuent, hein, mais bon. Putain, on meurt sur cette carte de merde, quoi. Quel enfer. C'est bien dommage. Putain, il nous aurait fallu un peu de lifelink et on n'a pas touché nos lifelink, malheureusement. Bien joué à toi.
sait jamais, il peut misclick. Salut Quaidan. Bah écoute, merci beaucoup. Trash, je suis deck. Dans ma tête, j'ai gagné cette game, tu vois. Ça, c'est l'argument des faibles. Ouais, mais dans ma tête, j'ai gagné, ouais. Et ouais, mais non, t'as pas gagné. T'as des trucs qui ont lifelink. Il me semble que dans la liste, il y a du lifelink, ouais. Il y a les... Ah ouais, mais j'ai décidé. Il y a les tokens de débarquement de la Légion qui ont du lifelink. Je crois que c'est tout. Ouais. Bon, c'est pas très grave. En vrai, ça se débrouille bien, tu vois. Grul, je pensais que c'était vraiment ingagnable et on n'était pas loin de la lui voler, celle-là. Donc ça pouvait le faire. Ouais, le rank, là, on a pris tarif, hein. Alors. Elle est bien Clotis. Ah ouais, t'as une petite. Tu fais des infidélités à Vraska, ces gaillards? Vraiment, Clotis, rien à foutre, quoi. Ouais, c'est le même rang que pour le standard Murena, effectivement. Salut, Matoubat. Ouais, dans le doute, lui, on va lui mettre un percepteur de dîmes. Ah dommage, je vais perdre mon icône. Icône, c'est bien, une bonne carte. Genre ça fait un peu de value, ça permet de grinder un peu le late game, trouve des bonnes cartes, c'est cool. Et oh, je joue pas Winnie White Splash chez nous best. Hein. Bon, ça c'est une bonne carte ça. Ça veut dire qu'on n'a pas Vras avant le tour 5 et qu'il est obligé de décurver tous ses plays. Et alors, je te dis même pas si jamais il espérait contrer la moindre de mes cartes, c'est impossible. Je trouve que c'est un petit peu plus beau que Winnie White, enfin que ça a un petit peu plus d'âme, tu vois. Il y a quand même un build, il y a une idée. Si c'était si facile, fallait le faire, les gars. Enfin, les gars, nous best, je te cible toi particulièrement. Nexus, ça donne quoi en histo? Bah avec ça, on l'implose bien. Sinon, ça reste un bon deck. Ça bat bien Golos, en fait. C'est une très bonne réponse à Golos, Nexus. Donc voilà, surtout le bail. Je crois qu'on peut pas prendre de Vras, donc là je peux commit une carte de plus, le bourrer, et le tour d'après où il aura sa Vras, on a formation inébranlable. On n'est pas trop mal. Ah, moi je peux pas jouer de frère de Bandajani, j'ai un passif avec la carte. Alors le problème c'est que s'il a Vras, on va en enfer. Par contre, d'avoir lumière de bannissement Talia, ça me laisse penser qu'il a pas sa Vras. Parce que je pense pas qu'il aurait lumière de bannissement pour économiser 2 PEV. Par contre, il peut la top deck. Mais là, en l'état, il y a de grandes chances qu'il ait pas sa Vras. Et si on passe le tour qu'on détape avec formation, on a gagné cette game. Je crois qu'il faut le faire. Et moi, c'est parce que c'est un humain, Benalish Marshall, que je le joue, tu vois. C'est un lord aux humains. Vu que j'ai pas de lord humain, bah j'en ai trouvé des remplaçants, tu vois, genre Icon et Benalish Marshall. Parce que tous les 8 beer, tous les 2-2 qui font des effets disruptifs, que ce soit Talia, que ce soit Tommy, que ce soit Meddling Mesh, que ce soit Précepteur de Dim, c'est des humains. Forcément, il y a une espèce de point commun, quoi. Je crois qu'on est déjà adapté à contrôle. On a un peu envie de rien. Le fait qu'on ait à la fois Percepteur plus Talia, plus Meddling Mage, plus formation inébranlable, je crois qu'il faut pas toucher à la ma. Pas toucher au deck en fait. Ouais, let's go. Bah tu as Judith. Ah ouais, mais je peux pas jouer mille couleurs non plus, tu vois. Il fallait se restreindre. À la base, je voulais jouer Chevalière du Reliquaire avec une toolbox de land et tout. Impossible. J'ai essayé aussi du noir pour Kitsail Freebooter. Impossible non plus, donc ouais, au final on est parti sur une base Jeskai pour Tajik qui met des points et pour Meddling Mage qui est disruptif. Voilà, main est bonne. Et oui, il est magnifique ce deck.
La Vigna, elle va être bien pour les decks qui veulent faire des trucs un peu débiles. C'est OK contre Nexus notamment. Je crois qu'on veut Percepteur de Dîmes ici, si jamais il avait ambition de nous faire des coquineries. Merci beaucoup Daiko pour le sub. Ok. C'est genre vraiment très très mal utilisé cette emprise délétère. C'est un peu chiant. Tu vas jouer en standard un peu Val, si les gens le demandent, si les gens le souhaitent, pourquoi pas. Trix, la tempête soudaine, tu builderais comment autour? Pour là tout de suite, j'aurais pas envie de builder autour de ça, mais... C'est quoi? Il baisse le coût de tes créatures, c'est ça? J'ai même pas le texte exact de ce Trix. Je vais attendre de pouvoir protéger Benalish Marshall avec ce garde du corps. Là, il nous fait la belle sortie. Hein. Anti-bête, anti-bête, disruption, Planeswalker. Tous tes sorts supérieurs à 5 ne peuvent pas être contrecarrés. Bah déjà faudrait ramper, faudrait proposer des grosses spells. Jouer ça dans un Sultai avec des Casualties of War, je pense, mais ça existe déjà en fait. Ça va pas être très intéressant, je pense. S'il a pas de réponse, on tue son Big Tef. Ouais, contre Kétis Combo aussi, c'est pas mal, puisqu'il peut pas rejouer ses mox. C'est pour les decks combo en général, Lavinia. Comme c'est une humaine, ça marchait bien. Ouais, exactement, chez Yunzhu. Mais c'est vieux, ça. C'est l'époque du GP Lille, fin 2018. C'était rigolo. À l'époque, en fait, l'histoire, c'est que on était au GP Lille, et il y a une tech qui était apparue, genre, quelques jours à peine avant. Et à l'époque, l'information allait pas aussi vite. Enfin, je veux dire, Arena était pas aussi démocratisée, les decks méta et tout étaient pas, les méta étaient pas solves aussi rapidement. Et en gros, il y a une tech qui commençait à naître, c'était de jouer des Toxicity Honor Guard pour disrupt les plans Explore de Golgari. T'avais les deux gros decks du moment, c'était Boros Angel et Golgari. Et en gros, ce qui se passait après ça, c'est que Boros Angel rentrait des Toxicity Honor Guard et les decks Golgari rentraient des interactions directes comme des réduire à néant. Alors que Réduire à Néant est une carte qui est naze, qui ne tue aucun ange parce que les anges sont légendaires. Et donc en fait, c'est une carte que tu ne rentrais que contre la hate que te jouait ton adversaire, donc contre les Toxicity Honor Guard. Et ce qui était rigolo, c'est que PL n'avait pas réussi à se procurer des Toxicity Honor Guard parce que toutes les Toxicity Honor Guard du GP avaient été raflées le jour même. Donc du coup, en fait, les adversaires de PL y rentraient des Réduire à Néant par carré contre PL qui ne jouait pas de Toxicity Honor Guard. Et du coup, ils mouraient avec leur casse-dents dans leurs mains et c'était. Quel plaisir, c'était un bon moment ça, c'était rigolo. Et les mecs lui demandaient, mais t'as pas Toxicity? Il disait, bah non. Hop là. Donc ouais, à cette époque-là, c'était rigolo. Affrontes-tu des viewers durant ce stream? C'est pas ce qui était prévu, Creep Hunter. Ouais, c'est ça, comme Settle. Il y a une époque où les gens tournaient autour de Settle. T'avais plus forcément besoin de le jouer, en fait. Les gens le respectaient naturellement. Ça, c'est chiant, il ne retourne pas encore. Faut vraiment essayer de mettre un max de points rapidement, mais... Ça risque d'être juste ici. Hein. En fait, on a nos deux lords qui se sont fait avoir. L'icône et. Et ça. Ça, c'est un peu problématique. Alors, j'aurais jamais bottom cette Lyra. C'est juste parce qu'il faut transformer à la recherche d'Ascanta plus rapidement. Ouais, après, c'est vrai que la Lyra, là, on la respecte.
déjà très bien avec ce tueur. Il a trouvé sa brasse, bien joué à lui. Si on trouve un lord maintenant, genre une icône, il y a encore match. Aïe 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 aïe. On n'a pas de terre annulus ou pas de source de rouge malheureusement. Là, on est dans le spot où on va plus la gagner, celle-là. Bon, en tout cas, ça va être très difficile. En plus, le jeu nous troll. Malheureusement. Compliqué, hein. Ouais. On va la concéder. Je pense que celle-là, on la gagnera plus. Le mec nous a mis l'enfer. Faut peut-être revoir un peu le side de ce deck là. Peut-être qu'il y a d'autres trucs tout aussi, enfin un peu plus pertinents à jouer, je ne sais pas. On va dire colère de Kaya sur ingérence du mage, je pense. Hop là. Ça va obliger les listes contrôle à se diversifier, à jouer à la fois des colères de Kaya et des fracassements du ciel, un petit peu comme les decks en moderne qui, pour contourner Human, jouent à la fois des colères de Dieu et des verdicts suprêmes pour vraiment contourner l'ingérence du mage. C'est assez rigolo. Ça, je pense qu'il faut jouer ça même devant Notagique, tellement ça peut être fort qu'on contrôle ça. Bah, en vrai, ça se passe pas tout le temps comme ça, Didas, quand même. Genre Vras, c'est pas évident de passer Vras après des trucs. Enfin. Quand ton adversaire résout Talia tour 2, Vras tour 5, c'est loin, hein, quand même. Vraiment très très loin. Ouais, on a de l'afterlife, on a des gardes du corps. Je suis pas persuadé que ça soit un vrai argument de remballer sur Vras. Je trouve qu'il y a des decks qui remballent beaucoup plus sur Vras que le nôtre. Ok. Ouais, qu'on pioche une autre bonne bête. Bah voilà, ça c'est une très bonne bête, typiquement. Là, si Vras, il est puni. Ah non, putain, je m'auto-punis à cause de Talia. Ah, merde. Ah, ça, c'est vraiment dramatique. Ok. Ça, c'est un peu une anti-synergie, malheureusement, du paquet, quoi. Alors, on peut faire ingérence du mage dans Tajik. Ça a l'air pas mal. Vu qu'on a déjà un lord. Ok. Ouais, il y a Talia qui vient de nous. Oh, c'est super drôle ça. Une super drôle. Cette ingérence du mage, elle va dire Teferi parce qu'on a connaissance de ce Teferi dans sa main. Donc lui, au moins, il pourra pas le jouer. Et là, je crois qu'il faut Maréchal Benalian. En espérant qu'il ait pas un doublon de Vras.
insupportable. Pas facile, hein. Pas facile, pas facile. Tu relanceras Cardboard Live pour les nouvelles cartes, c'est-à-dire Kusa. Il marche pas là le Cardboard Live? Si nous joue une Lyra, on a un tueur de géant. Ça va, c'est acceptable. On a juste moins 3 dans notre Tajik. Je pense bien. Hein. Oh, là-dedans. Il veut contrer ça au comeback. Ça paraît pas incroyable comme play. Comment ça, le Cardboard Live est pas allumé? Qu'est-ce que vous me racontez là? Ah merde, il doit y avoir une mage. Bah attendez, je le mets. Next step, next step, next step. Ok, normalement c'est bon, vous pouvez relancer pour ceux qui l'ont pas. Alors bon. Il est quand même fort en pomme lui, hein. On va pas se mentir. Salut dingue. Il est quand même très fort en pomme. Quand même très 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 fort en pomme. Ouais, ça on s'en cague un peu. 2, 3, 4, 5. Ça va commencer à être assez compliqué ici, malheureusement. Ouais, lui il avait vraiment tout. Je crois qu'on va juste commit tout notre board. Et espérer qu'il trouve pas Vras. Il en a déjà trouvé deux. Lui il était équipé pour nous battre quand même. Sans déconner, non mais what the fuck, gros, regardez ce qu'il m'a joué depuis le début. Fin de la Légion, colère de Kaya, Vras, anti-bet, anti-bet, anti-bet. Incroyable. Genre, comment il fait pour gagner des games, ce mec-là, contre des decks contrôle? Impossible. En même temps, il n'y a que des réponses et des piocheurs. Non, mais s'il veut gagner les decks contrôle, il faut aussi qu'il joue des cartes de value, tu vois. Genre, là il a pas joué de piocheur, hein. Oh ouais, j'ai vu fou c'est Mosuker qui transmet ses coordonnées par Twitch et non pas par Discord. Pas de P. On est après side là quand même. Ouais, enfin bon, si, genre. Son side est quand même bien respectueux. Je t'assure que tous les decks le sont pas autant. Il a encore un anti-bet de plus en plus. Narset, pour moi, c'est un piocheur. Ouais. Ouais, tu peux le voir comme un piocheur. On pioche pas si mal, nous, d'ailleurs. Je trouve quand même que c'est vraiment, vraiment grossier, quoi. Tu es un grossier personnage, Kegan Fall. Je tiens à le dire. Ouais.
Eh ben tant pis, c'est pas bien grave. Oh, on tombe contre Jeff Hoogland. Très intéressant. On joue 23 landes dans le deck. Cette main-là, si on trouve un deuxième land, c'est une folie, hein. Par contre, on commence. Je crois qu'on doit quand même la mulligan. Ouais, celle-là, elle est très bien. Celle-là, elle est très très bien demain. On va enlever un drop 1. On va enlever celui-là dans le doute. Un drop 1 ou un drop 2? Un drop 1, je crois. Ok. Ouais, l'espère qu'on a joué avant, il était extrêmement talentueux. Elle est incroyable, la marionnette de Jace. Elle est très rigolote, je trouve. Ok, on sait pas encore ce qu'il joue. Du coup, on va jouer Précepteur de Dîmes. 2 points. Si c'est Jeff Hoogland, il doit jouer un build personnel, un truc un peu spicy, je pense. Il doit essayer de casser l'historique. Jund, intéressant. Qu'est-ce que ça peut être en Jund? Sacrifice, probablement. Ou alors Jund aggro. Jund dinosaure. Ok. Ok, nice. Pas trop chaud de jouer contre ça, mais. Coûte un de moins à lancer. Donc le tour d'après, on peut se prendre directement Ripjaw Raptor. Genre Raptor Déchiqueteur, ça a l'air horrible de se prendre ça. Salut, salut à ceux qui viennent d'arriver. Tu vas être surpris. Ah ouais? Ah peut-être qu'il y a une combo que je connais pas. Peut-être que c'est Forerunner pour les Raptors, mais ça paraît méga mou quoi. T'inquiète, son troisième tour va être drôle. Ah bon. Bah au moins on saura quoi dire sur Ingérence du Mage plus tard. Ouais, Régisseur pourrissant, c'était une bonne cible aussi. Dinosaure, Raptor en maraude. Ok. Ah ouais. Ok, nice. Ça va très bien, Yann Fab, et toi? En vrai, rencontrer tout ce qui est Gruul, Human et tout, on n'a pas du tout envie de rencontrer ça. Ce deck-là, on l'a buildé pour rencontrer Nexus et Golos, sauf que bah, le méta, il a un petit peu, il s'est un petit peu modifié, quoi. Il a un petit peu bougé et c'est vrai qu'on n'est plus si bien adapté que ça, quoi. Je vais bourrer, hein, tant pis. Hein. Si on meurt le tour d'après, c'est pas grave. Ouais, bah ouais, là on risque de prendre Galta, on risque de prendre un milliard de cartes incroyables, mais. C'est bien. Ah, franchement, ils sont horribles, les gens qu'on rencontre, c'est insane, quoi. Ouais, je peux rentrer que ça. Il n'y a pas vraiment de commit to play quand tu joues dinosaure, hein. Tu joues juste des pâtés. Des pâtés. Et puis voilà quoi. Puis c'est bien. Je crois qu'on s'en fout de formation inébranlable. Je crois qu'on s'en fout de ça aussi. Il y a moyen qu'on veuille un land de plus et une adjointe. Bah écoutez, on s'en est bien sorti lundi matin, mais là, ce qu'on rencontre, c'est difficile. Hein.
Ouais, Adjointe, c'est pas mal, ouais. Le problème, c'est qu'Adjointe, c'est pas un humain dans le deck, donc si j'en rentre trop, vraiment, je suis prêt à en rentrer plein contre Golos parce que c'est free win. Par contre, là, en rentrer alors que c'est pas un humain, c'est-à-dire que il faut trouver une source de bleu, ou alors il faut, tu dénatures un peu ton deck, ou alors il faut que sur Terranulus, tu dises un autre type que humain pour pouvoir la jouer, c'est un peu chiant, quoi. C'est Coraval. C'est moi qui commence. Je peux faire ingérence du mage sur son Raptor là, sur son Maraudeur. Le problème c'est que derrière je mets aucune pression, on gagne jamais cette game je pense. Hein. C'est pas possible de garder une main comme ça. Celle-là non plus. Celle-là est mieux. Je crois que Talia c'est de la marde. Ok. Ouais, Jeskai Human, Jeskai Taxis Human. Tu peux s'il te plaît faire un Monored Jaya s'il te plaît ou me répondre au moins? Ben, je t'ai déjà répondu Polo, je vais pas faire un Monored Jaya, je suis désolé. Si jamais, y a des points de chaîne pour ça en fait, pour me faire Harry builder autour d'une carte que vous aimez. Et je crois que c'est 80 000 points de chaîne et en plus de ça... Quand c'est du Harry Builder, donc ça prend du temps et compagnie, il vaut mieux le demander en début de stream pour que j'ai le temps de vraiment Harry Builder dessus, faire un truc bien quoi. Human. Ok. Ouais. Est-ce qu'il faut d'abord que j'interdise Ripjoraptor? Pas Ripjoraptor, mais Régisseur Alpha. Parce que là, sinon, il fait juste land Régisseur Alpha et on est en PLS de ouf. Typiquement. En même temps, ça l'empêche de faire des dingueries. Hein. Non, vas-y, on va lui enlever ça. Ouais, c'est pas Régisseur Alpha, c'est Régisseur pourrissant. Il joue tous les accélérateurs du monde. Est un peu bizarre sa DL, mais je lui fais confiance, c'est Monsieur Hoogland. Régisseur pourrissant. En espérant qu'il en ait 4 en main. Il est bloqué en mana, il n'a pas trouvé son troisième land. Je le vois pas jouer choc, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Embuscade de Domri, c'est en rituel. Je crois pas que j'ai de problème à attaquer avec Ingérence du Mage ici. En tout cas, si j'ai un problème, je ne le connais pas. Ok, ça va. Ouais, il a raté son land drop, carrément. Pourquoi fin déconcertante plutôt que cercueil de verre? Je sais pas d'explication, c'est à peu près la même chose, non? J'ai pris fin déconcertante parce que j'avais l'habitude de jouer la carte avant, mais c'est vrai que faudrait voir les plus et les moins par rapport de fin déconcertante à cercueil de verre. Il doit y avoir des plus, des moins. Bon, après, si je trouve pas ces landes, on va juste naturellement gagner, hein, mais... Hop là! Merci Roberto Carlouche. Je crois qu'on va rester comme ça. Ça gère mieux les créatures des decks combo fin déconcertante parce qu'ils récupèrent pas. Ouais, ok. Bon, c'est un bon argument, je prends. J'en ai marre de mulligan, mais on est obligé. On est sur la draw, on a beaucoup de gestion.
Et je regrette ce castle Ardenval là tout de suite. Je l'ai pas modifié, non, Ben Lucien. Je fais quelques games avant pour valider si c'est un bon deck ou pas. Je sais pas pourquoi il y a ce terrain dans le deck, je crois que c'est une mauvaise idée. Genre vraiment une très mauvaise idée. On a dû le mettre et oublier de l'enlever. Ouais, Lavina c'est bien contre Nexus et contre Kethis. Je pense que dire Régisor pourrissant, c'est encore être à peu près sûr de jouer une game de Magic, tu vois. Ça a l'air bien. Non, j'ai pas rencontré de Grixis en historique. Putain, et là, il arrive Joraptor, qu'on ne passe plus avec fin déconcertante. Donc, il les avait, hein. Je crois qu'on va refaire des déconcertante pour gérer Brontodonte. Allez mettre 2 points. Et là faut prier hein, parce que on bat vraiment très très mal ce Raptor Déchiqueteur. Et il a enchaîné les hand drops parfaitement. Ouais. Peut-être que Tribunal du Conclave, c'est juste un peu plus safe que ça. Human, ça piétine, je crois. Non, ça piétine pas, mais ça rage. Par contre, lui, il piétine. Donc, on peut pas chum block à l'infini. Il va me manquer plusieurs manas en plus pour faire des plays sympas. Si je paye comme ça, c'est naze. Quel enfer. Ouais, bah ce deck là contre un deck aggro, c'est le bonheur en fait. Genre, on tag juste les pires adversaires possibles. On joue un plan de jeu avec des birs, des 2-2 qui disruptent les plans de jeu contrôle et combo. Et on tombe sur Gruul et sur Gruul Dino. Enfin, c'est juste. C'est magique quoi. Ça arrive. Ouais, on avait les tueurs de géants qui pouvaient nous sauver. Il nous manque un man. Ah non, on a de quoi faire. Fin déconcertante. Tueur de géants. Bloqué ici et passer à 1. Je crois que c'est acceptable en vrai comme play. On n'est pas encore mort. J'ai dit bien joué, mais. Mais j'aurais pas dû. Ouais, en vrai, c'est pas très bien. C'est pas très bien ce deck-là hein, contre Kethis et compagnie. Pardon, le deck Jund Dino, c'est pas très bien contre Kethis, contre Golos et compagnie. Hein. C'est pas fifou, quoi. Balayage de flammes, ça nous tue, je crois, ouais. Ouais, on va juste lui montrer. On fait nos quêtes, hein, on joue nos cartes. Bien joué. Hop. Et concession.
Merci Birdays pour le sub, merci beaucoup. Oh là, ça y est, on a un rang pourcentage, quelle horreur. Bon, on essaie encore une dernière fois avec ce deck-là. Et sinon, on changera, on ira jouer autre chose. Je suis vraiment pas persuadé que June Dinosaur, ce soit un vrai argument dans le méta actuel. Normalement, Cardboard Live est disponible, hein, si jamais vous voulez voir le deck Tribordial. Ok, putain, le 7ème du ladder. J'ai hâte de voir ce qu'il joue, du coup. Tac, on a tueur dans Talia, dans agression. C'est super nice. Super, super nice. Bah, normalement, j'ai activé Cardboard Live. Je sais pas pourquoi il est pas présent, là. Tac, tac. Non. Vous avez pas accès au deck ? Ah si, c'est bon, vous avez accès au deck, super. Il marche chez moi, super. Pour combien de 7-7 tu vas échanger ton Mage Image? Oula, je sais pas, sûrement beaucoup. Contre des guivres. Bon bah c'est bien, si Cardboard Live marche, parfait. Ouais, Elf de la Noir. Putain, ils jouent tous Grul, hein, c'est insane. Du coup, mes Talia, je peux bien me les mettre où je pense, quoi. C'est dommage. Je préférais le début de méta où Talia était juste trop forte. Ah, je vais aller acheter les steals. Et oui, on est 17h passé, les daily deals, c'est incroyable. Putain, mais ils jouent tous au Grul, mais quel enfer. Laissez-moi tranquille, quoi. Sérieux, Grul alors qu'il y a Golos avec Uro, quoi. Ouais, bon, il avait pas son deuxième land, hein. pas grand chose à raconter. Pareil, on va rentrer ça, on va rentrer des adjointes. On va sortir Tomic, on va sortir le débarquement, on va sortir les formations. Et on n'est pas trop mal, je crois. Ok. J'ai joué Grul et j'ai un bon match-up contre Field of the Dead, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Franchement, les decks Field of the Dead avec Uro, avec Shatter the Sky et tout, je suis persuadé que vous avez pas un bon match-up. Si tu joues une bonne version de Field of the Dead avec les nouvelles cartes, donc avec Uro et Fracassement du Ciel, ça me paraît insensé, impensable que vous ayez un bon match-up avec Grul. Le gobelin qui éclate un terrain est bien. Pff, ouais, c'est tellement trop tard, quoi. T'éclates un terrain, mais... Mais il en a plusieurs de Field of the Dead, puis c'est un deck contrôle qui peut gagner juste avec plein de mana et Krasis, tu vois, Vras dans Krasis, ça suffit à gagner des games. Je pense que c'était un bon deck pour démarrer Roberto Carlouche, le deck Celestina Constellation. C'était un bon deck pour démarrer, je pense que c'est pas, ça t'emmènera pas mythique, mais c'est bien pour lancer le jeu, ouais. Là, contre Grul, cette main elle fait pas grand chose, hein. On va essayer. Ouais, ça m'étonne un peu moins. Niap MTG. Est-ce que ça, je le garde pas pour juste tuer une bête de quête? C'est peut-être mieux de le garder en anti-bête. Sachant que c'est pas moi l'agresseur dans ce plan de jeu. Ok. Fait une sortie plutôt décente. Ouais, après Breach, ça meurt sur Bojikabog, donc je préconise pas non plus. Hein. Ouais, ça, typiquement, on va bien le tuer.
Avec Bridge, par contre, je suis pas certain d'avoir un mauvais match-up. Je pense qu'au contraire, il a un match-up dégueulasse, Bridge, contre ce que je joue. Continue à mettre un point. Ça, c'est pas mal contre Grulin. Hein. Après, je vais pouvoir continuer à engager les bêtes de quête et tout. Ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Ok. Ça dépend, Talia, pas Talia. Ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, si ce n'est dire humain là-dessus. Et maintenant, on peut faire percepteur de dim, précepteur de dim, pardon. Ou alors, on fait juste tueur de géant tagique. Parce que là, j'ai quand même envie de dire Amber Cleave. Hein. Ouais. Je crois que c'est important. Alors, c'est taille braise en français. Taille bresso. Voilà. Taille braise. Et pour être mana efficient, on va jouer ce percepteur. C'est quoi Bridge? C'est un deck combo qui est basé sur la carte Bridge, Underworld Bridge, donc pont du monde souterrain, je crois. Qui est l'enchantement pour 2 qui permet de rejouer tes cartes du cimetière pendant le tour. Et c'est plutôt fort, c'est plutôt un bon deck. Tu peux pas Umbercleave, poteau. Tu peux avoir un deuxième géant Krakos et être extrêmement énervant. Faille du monde son terrain? Ouais, probablement. Merci Noobest. Bon alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a une embuscade de Domri. Ça pique un peu. Ça pique même pas mal. Ah merde, putain, je suis con, j'avais pas vu qu'il avait posé un château. Quelle erreur. Ouais, je viens de donner mon match de l'ingérence, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Taio Blesso. J'ai misplay. Sorry, le punt. Ouais, Tajik, ça match très très mal, Bonne Crusher Giant. Mais Bonne Crusher Giant, c'est pas une carte qui est trop trop jouée en historique habituellement. Donc, bon. C'est une capacité, du coup, on prend pas les deux points de dégâts. C'est quand même important. Bah on va prendre. Bah on a fait des vidéos budget Roberto Carlouche, si jamais tu veux t'en inspirer. Hein. Si tu veux d'autres decks à jouer que Céleste Néenchante. Il a toujours une carte en main qu'il joue pas, c'est probablement la fameuse Taille Braise qu'on lui bloque. En vrai, si ça continue comme ça, je vais juste ressortir Vampire, qui est un excellent deck. Tac, tac, tac. 3 bloquants. On bloque, on empêche ça d'attaquer. Enfin, on empêche ça d'attaquer. On bloque là, on bloque là. On passe à 1. Et derrière, on fait rien, quoi. Ok. On ne gagnera pas cette game. Ouais, Vampire. Vampire, c'est trop fort. Moi, j'adore le deck Vampire. J'adore ce deck. Je trouve que c'est très, très bon. Oh, Nergul qui m'a signifié mon punt.
Ouais, Vampyr, c'est cool, puis c'est un bon deck que je maîtrise. J'étais passé Mythique il y a 3 mois. Bah, le dernier ladder historique, j'étais passé Mythique avec Vampyr. Non, j'étais passé Mythique avec Simic Ramp. Et j'avais fait l'événement, fallait faire 10 victoires, je crois. Et je l'avais fait. C'était quoi? C'était l'événement historique. Je l'avais fait avec Vampyr. J'avais fait un bon résultat, je sais plus combien. Vous pouvez retrouver tout ça sur Twitter. De toute façon, je poste à chaque fois. En tout cas, ça marchait bien. Vampire. Ouais, l'Italia, c'est vraiment de la merde contre Grull. Hein. Mais bon, ok. En fait, ce deck-là, quand on l'a créé hier matin, on rencontrait des bons decks pour ce deck-là. Depuis, c'est complexe, hein. Depuis, on rencontre que des jeux créatures, donc Talia, c'est de la pisse, quoi. Je crois que le premier, on peut le lâcher sur un elfe. Parce qu'on a encore deux effets du même type, genre fin déconcertante et adjointe. Et que si jamais là on développe Talia, nos fins déconcertantes coûtent plus cher derrière et c'est un peu chiant. Ah bah super, je veux un bundle. Très, très satisfait du coup. On va juste faire de la gestion 1 à 1. Et puis après, commencer à imposer nous notre propre board. Ça, c'est horrible comme carte aussi. Genre, tout ce qu'il fait est juste plus gros que nous en fait. C'est insane. Ouais, toi, tu vas perdre ton géant par contre, poteau. Bête frappée d'amour. Le but c'est qu'il puisse pas jouer sa 5-5 là. Ça peut être suffisant. On sait pas. Il a encore un Xur'Tas. Ok. S'il avait 3 mana à disposition et pas de 4ème land et qu'il nous a joué qu'un Xur'Tas Gobelin, c'est que sa main ou a des cartes à 4. Donc, quoi qu'il aurait pu jouer l'aventure des Lovestruck Beasts. En gros, sa main, elle a pas l'air fifole. Et tant mieux pour nous. Ouais, il est numéro 7, Yuuk, carrément. Alors, lui, si on le bat, au moins, on retrouvera un rang chiffré, ce serait pas mal. Ça nous ferait gagner pas mal de place, ouais. Je crois qu'on va accepter de prendre 3 points ici. Amplement, même. Et puis là, on va commencer à se développer. Garde du corps sur Maréchal Benalian, plus important que Ingérence du Mage. Et ça, parce que ça bloque bien. Quelles sont les cartes qu'on peut. Alors, Embuscade de Domri, on sait qu'il joue, mais c'est un rituel, il peut pas nous le jouer en instant. Et en plus, si jamais il voulait jouer des instants, il coûte un de plus. Il y a de grandes chances que j'ai envie d'attaquer comme ça. Hein. Parce que s'il avait un bon Crusher Giant de plus, il l'aurait joué en rituel tout à l'heure, je pense. Ou alors c'est un peu étonnant. Ok, bah c'est assez étonnant, mais why not? J'ai mal lu sa main du coup. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un autre bon Crusher parce que quitte à ne rien faire. Il aurait pu le jouer, quoi. Ça commence à devenir complexe. Hein. S'il aligne les landes et les grosses cartes. Ouais. Typiquement, bête de quête. On bat très très mal cette bête de quête.
C'est vraiment un match-up exécrable. Le problème, c'est qu'en lui enlevant cette bête de quête là, je libère juste la deuxième qu'il a potentiellement en main, quoi. Excusez-moi. Eh ouais, évidemment. Il a tout ce qu'il faut là où il faut, lui. Hein. Si j'attaque avec tout qui bloque là. Il est à 1. Et c'est dommage qu'il soit à 1. Voilà, on va passer le tour. Si l'Humbercleave, on a perdu. Oh. C'est vraiment horrible. Hein. On est à 1. Ouais. Je m'attendais même pas à ce qu'on vive encore. Pas encore mort. On n'est pas bien, mais on n'est pas encore mort. Ah, ça c'est super chiant quoi. Ça lui met un bloqueur de plus. Ok. Ok mec. Bah désolé, je voulais pas t'emmerder, excuse-moi. Je comprends pourquoi il est 7ème du ladder lui, hein. Alors, bon. On a perdu là, on peut rien faire. Hein. J'ai pas de moyen de gagner cette game-là. En plus, émissaire, c'est pas très bien dans Grul, quoi. Enfin, c'est bien pour faire des sorties turbo, turbo Tybrez. Mais en vrai, quand tu joues des Phoenix et tout, on avait décrété qu'il valait mieux jouer des Druides de Paradis. Ouais, je crois qu'on a perdu. Ah, je suis saut déçu, tu vois. Saut déçu, c'est une marque concurrente de saut des beaux. Ouais. Ah, mais Chainwaller, c'est pas joué en historique, Nergul. Ouais, il était tellement haut placé qu'on n'a pas perdu de rang, et ça, c'est bien. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, écoutez, ça, là, pour l'instant, c'est poubelle. On laisse de côté, ça c'est pour battre contrôle et combo. Dès qu'il y a des jeux créatures, et il n'y a que ça visiblement du jour au lendemain sur ce ladder, s'il y a des jeux créatures, tout ça là, c'est de la pisse, c'est de la merde, il faut pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est prendre un counter en fait. Alors on a Bantrand qui est un counter décent aux jeux créatures. Genre très décent même. Je regarde. Regarde le chat. Qu'est-ce qui se passe? Mono rouge est toujours là. Ouais, pas des masques quand même.
Test Deck Viewer, un bon gros June dinosaure en historique. Ouais, Arkbok, bah du coup, t'as utilisé tes points chaîne pour que je joue le deck, c'est ça, Arkbok? Mais du coup, il faut que tu me files un deck, si c'est le cas. Et je veux bien essayer, mais il faut que tu me files un deck. Non, mais c'est trop tard, en fait, c'est Arkbok 17 qui a utilisé ses points de chaîne. Donc du coup, je teste ton deck, mais il faut que tu m'en envoies un. Enfin, faut que tu me proposes un deck, puisque c'est toi qui proposes les points de chaîne. Je vais juste jouer une quatrième Nissa, tu sais quoi? Pas s'emmerder. Est-ce que t'as une liste pour moi, Arkbok? Juste déjà réponds oui ou non, tu vois. Comme moi, je sais si je patiente ou pas. Je vais faire ça. Ah, t'as pas la liste encore. Je fais quoi du coup? Je lance une game en attendant. Non, alors si tu me proposes un deck viewer nous best, on le pimpe pas, on le joue tel quel et on le pimpe après. On donne un ressenti et on propose des améliorations. Tout simplement. Sachant que les deck viewers, ce sera limité à un par stream. Enfin, en fait, les utilisations de points de chaîne, comme je disais en début de stream, faut pas qu'on se sente pris en otage par les points de chaîne. Il faut que ça reste quand même assez rare et digeste et qu'on passe pas nos streams à tester les decks des gens, tu vois. De toute façon, la liste, elle est un peu facile, tu la connais. Ouais, mais là, en fait, le truc, c'est que Arkbok, il a utilisé ses points de chaîne pour soumettre un deck de son propre brew. Si t'as pas de side, moi, je mettrais un side. Mais du coup, si jamais il voulait juste me faire jouer. Enfin, en gros, quand tu utilises les 20 000 points, c'est parce que tu as envie que je teste ton deck à toi, tu vois, pas un deck sur le ladder comme ça. Comment ça, geste, c'est Gaïa? De quoi tu parles? Je dois avoir, mais sans le side. Eh ouais, mais. Il me faut tout, moi. Vous feriez aussi en brawl et en brawlisto. Bah oui, à partir du moment où vous voulez que ce soit un deck viewer que l'on teste, c'est vous qui choisissez le format. Comme je répète, par contre, c'est dans la limite de 1 par stream. Et encore plus important, avant de payer les points, parce que là, bon, bah, c'est le premier, donc Arbok, lui, il a payé ses points directement et du coup, je vais jouer son deck. Mais c'est important, demandez d'abord dans le chat, demandez si ça n'a pas déjà été fait avant d'utiliser vos points. Dites, hey Val, est-ce que je peux utiliser mes points pour te faire jouer tel deck? Parce que si je réponds non, au moins, t'as pas perdu tes points. Ah, ok. Putain, le con. À mon avis, le deck qu'il voulait dire, c'est June Dino qu'on connaît. Ouais. Bon, bah alors attends, vas-y, bouge pas. Vas-y, bouge pas, on va aller tester ça. Mais. Communion dinosaure. Je sais pas écrire dinosaure, c'est incroyable. C'est pour ça. Ouais, voilà, format historique, tac tac tac. Ça c'est en side. Je m'en occupe du coup Arbok, hein, je check ça. Je check ça pour toi. On va prendre la base que nous a joué tout à l'heure Mister Jeff, hein. Ça avait l'air bien. Il avait l'air d'avoir des bonnes idées. En tout cas, moi, je vous build ça comme, enfin, comme je l'aurais buildé si jamais j'avais eu envie de jouer ça sur le ladder. J'ai pas de version référence, j'ai juste les versions que j'imagine être bonnes, quoi.
Hop là. Comment ça s'écrit ça, Terranulus? Terrain. Non, c'est terrain ou terra? Je crois que c'est terrain en plus, hein. Ouais, c'est juste pas possible du coup. Et c'est censé donner du multicolore, non? Comment ça s'appelle Terranulus, les gars? Terra Incognita. Terra Incognita? Vous êtes sûr? Je pense pas. Hein. En français, je parle. Terrain de prédilection non plus. Ça, c'est le Stomping Ground. Terra Nullus. Ouais, alors ça, c'est terrain nul, quoi. Parfait, c'est ce deck. Ok, super. Terra Nullus. Et pourquoi je trouve pas alors, les gars? Je suis con ou quoi? Oh putain, c'est bon, on l'a. Ouf, désolé, hein, j'ai mis du temps. Je vous fais la meilleure version que l'on puisse. Enfin, la meilleure version que j'estime être possible de créer sans avoir vu ce qui tourne actuellement, quoi. J'essaie de vous faire ça propre, quoi. Propre et quali. Quali propre. Non, c'est pas Ougland qui m'a chauffé pour les dinos, c'est Arkbok qui a utilisé ses points de chaîne. Est-ce que c'est mieux Savage Stomp qu'Embuscade de Domri? Je crois que Savage Stomp, ça gère pas les Planeswalkers. Donc j'imagine que c'est quand même un argument fort pour Embuscade de Domri, hein. Franchement, je crois que sur ça, je préfère Embuscade, moi. Alors, pour la mana base, on a quand même une dominante verte et rouge. Et on a très peu de noir. Donc si on a très peu de noir, je crois que les sommets du crâne dragon, on en veut app. Et combien on a de forêts qui arrivent dégagées? Seulement 8. Est-ce qu'il faut pas quand même quelques forêts? 3, 4 Galta, ça a collé à la main, mais non, vous inquiétez pas. C'est le but du jeu. Y a 4 forêts dans le pack. Ok. Des elfes de la noire à la place du bouvier. Ouais, mais le bouvier il met des points. Donc je pense pas qu'on ait besoin d'elfes de la noire si le bouvier il met des points. Puis l'elfe de la noire, on le caste pas avec Terranulus. Et vu que c'est un deck tricolore, on n'aura pas la mana base assez saine pour avoir elfes de la noire tour 1. Pour avoir elfes de la noire tour 1, il faudrait un nombre de mana vert dégagé assez conséquent. Genre un truc comme entre 16 et 18. Et là, on n'aura jamais 16 mana vert dégagé tour 1, quoi. On a 4, 8, 11. On est à des années-lumière de pouvoir faire elfe de la noire, malheureusement. Quatre sommets, quatre terrains de prêtre, quatre tombeaux luxuriants, quatre terrains. Ok, ça joue les sommets et pas les cryptes de sang. Ça a du sens. Ça a du sens. Ça joue plutôt les sommets, en fait. Je comprends. Et ça joue pas les cimetières des sylphes par contre. Ça va très bien, Sliver. On peut pas copier-coller la decklist directement sur le chat. Je trouve ça intéressant, moi, de la builder ensemble aussi. De voir un petit peu ce qui se passe. Je trouve ça nice. Hop là. Des fois, juste refaire la liste à la main, ça t'aide à la comprendre aussi. À comprendre les choix. Et je trouve ça plutôt cool. Pour le side, on va pas s'emmerder. On va jouer les meilleurs dinosaures qu'on a en notre possession, qui sont des dinosaures un petit peu de disruption. Et puis, non, je pense pas. Sur un deck tricolore, il faut pas de land utilitaire. Ça, oublié, je suis à peu près sûr qu'il faut pas.
Et je dirais qu'on peut jouer juste de la gestion, genre réduit à néant ou quoi. En plus, quoi. Alors après, on va avoir du mal à avoir de la gestion noire, parce qu'on n'aura que 8 sources de noir qui peuvent caster l'anti-bête. Je dirais qu'il faut plutôt des trucs comme Fry ou quoi. Cramer, peut-être. Non. Comment s'écrit cramer? Comme ça. Lui, il nous a joué un truc qui était vraiment bien. C'était Flamme Swipe. En français, c'est balayage, je crois. Ouais, balayage de flamme, ça c'était super. C'est bien contre Golos en fait. Pour Golos, on a ça. Pour les decks Nexus, on a ça. Et ça, pardon. Je crois qu'on est bien là, hein. Ah, on a Lavacol qui doit être très très bien. Genre tac. Tac, tac. Et on va mettre 3 Lavacol. Vous avez raison. Let's go. Tu remplacerais un Bouvier pour un Cromlech? Je crois pas. J'aime bien le côté x4 de toutes les cartes dans ce deck. J'aime beaucoup le côté extrêmement carré du deck. On va d'abord tester comme ça et on verra s'il y a des cartes qui nous collent en main ou quoi. Let's go. Salut Obito. 20 000 points de chaîne et on build un deck ensemble. Ouais, j'avoue. Ah mais parce que t'avais pas de decklist là sous la main, Arbok, donc j'envoie direct quoi. Bon, pour ceux qui connaissent pas ce deck là, on avait déjà présenté une. Ah bah on rejoue contre Jeff Hoogland, putain. Qui a beaucoup perdu d'ailleurs, il était 650. On avait déjà présenté ce deck là sur une de nos vidéos YouTube. Donc si jamais vous voulez aller découvrir un petit peu comment fonctionne le deck, il y a une vidéo YouTube, vous tapez Jundino et vous devrez trouver. Enfin, Jundino Valet PL et vous devriez trouver assez facilement de quelle vidéo on parle. On a une interaction. On peut caster notre main. Je crois qu'on va la garder. J'ai mis des fers aussi, donc bien sûr Nergul. Je suis encore malade, non, enfin. En fait, comme j'ai eu la grippe il y a quelques jours, un peu plus même, il y a une semaine et demie, en gros, de temps en temps, je tousse encore un peu, mais il paraît que c'est normal de d'avoir des restes, entre guillemets. Mais sinon, non, je vais très bien. C'est qui Jeff Hoogland? C'est un acteur très connu de la communauté Magic. Alors je sais pas si il est plus joueur pro actuellement, mais en tout cas il a fréquenté le circuit compétitif pendant pas mal d'années, quoi. Et maintenant il est streamer, créateur de deck, enfin c'est quelqu'un d'assez important dans le monde de Magic. Ouais, Clotilde n'était pas très très bien. Il joue ça main deck lui? Ok. C'est même pas un dinosaure lui, donc c'est chiant. Ouais. Je crois que notre sortie, elle pue un peu le. Sent un peu smell like shit, tu vois. Ouais, ok. On va jamais battre cette sortie-là, c'est débile, putain. C'est full deb.
Ah, mais ça va. Ok, on n'avait pas la même main de départ, je vous le dis. Je suis même pas sûr que ce soit bien Ferrocinante. Ok. Mais c'est pas si pété hein, Ferrocidon dans ce match-up. Hein. Là, ça s'est bien mis parce qu'il avait une sortie de fou, mais il aurait pu avoir une 3-3 pour 3 que sa sortie, elle m'empalait quand même. C'est mieux. On prend un troisième land ici, je pense. Je pense que c'est mieux qu'un autre Régisor. Enfin, au moins, on est sûr de pouvoir continuer à curver nos cartes. Il joue aussi des passages merveilleux. Tiens, c'est intéressant, lui, dans sa decklist. Ça paraît compliqué de jouer des passages merveilleux dans un deck aggro qui veut curver. Je suis pas méga fan. Surtout qu'en historique, on a quand même pas mal accès au coloré, donc je suis pas sûr. Je me serais jamais attendu à des faiblesses de passage dans son deck. Surtout que ça récupère quoi? 4 forêts? Ça t'oblige à jouer aussi des montagnes et des marais de base? Ça paraît vraiment, vraiment, vraiment nul. Après, c'est Jeff Hoogland, donc il y a quand même une présomption de je fais les choses mieux que les autres. Mais quand même, hein, je suis pas. En tout cas, moi, je suis pas convaincu. Ça a l'air pas trop mal quand même les raptors. Ah, c'est vrai que j'ai pas pimp le sleeve, j'y penserai. Assez propre. Ça, c'était plutôt propre, ouais. Il joue ça aussi, main deck, mais il a fait de la place avec quoi? J'ai l'impression qu'on joue les mêmes cartes, sauf que lui, il en a casé plus. Nous là on va pouvoir jouer la plus grosse. Galta. Et ça je pense Galta il gère pas. Hein. Si j'attaque avec Régisor, il peut double bloquer. Si double bloque, il peut pas jouer Galta le tour d'après. Je crois que ça me va. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on tue. Ou pas. Non, plutôt ça. Ok. Genre sur ce board-là, je me sens quand même devant encore. Ah, il n'y a que ça qui compte, hein. Effectivement, avoir la plus grosse. En fait, je vais pas défausser mon land, Permingo, puisque mon Régisor, il va être trade.
c'est un peu vénère. What the fuck? Non mais c'est ouf les sorties qu'il fait, putain. Waouh, merci Gravelord Nico pour le sub. Ouais, franchement, c'est what the fuck. Comment tu bats un mec qui fait ça? Enfin, c'est juste trop chiant, quoi. C'est juste un peu chiant, quoi. On joue pas à Magic là. Ouais. Ouais, il paye fort, ouais. Il paye fort, il n'y a pas grand chose quand même à la base, hein. Et là, si on attaque, il peut juste. Tac, tac, tac. Derrière, on a plus le board. On a Benoît plus le board. Ouais, il a peur d'Umbercleave. Du coup, il me donne tout ça en bloc. Et il fait bien d'ailleurs. Pour pas mourir sur Umbercleave. C'est pour ça que notre attaque elle a du sens. Parce que s'il n'y a pas la pression d'Umbercleave, il double trade juste avec les 2-7-6. C'était pas une très bonne attaque. Là, du coup, on va en faire un peu de value. Il y a 10 en cul. Là, il y a 11 en cul. Et tout le reste, ça survit. Ou alors là. Ouais, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Ouais, Brontodonte, c'était juste dans l'idée d'avoir un 3-4 qui pouvait bloquer, mais pff, ouais, effectivement, c'est pas oufissime. Pff, là, il a la main pleine et moi j'ai la main vide, donc cette game, elle est quand même perdue, je pense, mais. Mais en vrai, il a fait un tour qui n'a aucun sens. Son tour n'a aucun sens. C'est insane de se prendre ça. Si on fait ça, je prends 10. J'ai plus de board. Donc c'est pas bien. Là, je prends 13 et 3, 16. Et je double bloque là. Il me reste un bloquant. Ou alors juste je chump ici. Je tue le 7-4 et je prends 13. Et il me reste encore un bloquant. On va faire comme ça. Et lui, il joue Umbercleave. Ouais, non, mais alors. Wow, mais l'enfer de ce match, c'est insane. Ok. Ok. Bah, Jeff Hoogland est trop fort. Il est imbattable. Unbeatable. Unbeatable. On peut pas le battre. Non, on va essayer de. On va essayer de reproduire sa version du coup. Pour le coup. Ouais, un troll. C'était. Insensé. Taille-braise. Et donc du coup pour cela, il devait avoir. On a vu quoi d'autre qui était bien dans son deck? On a vu qu'il avait des stomps à la passe. Je sais plus comment ça s'appelle. Piétinement. Piétinement sauvage.
Ça doit être pas loin de ressembler à ça, sa version, je pense. Du coup, tu veux pas Terranulus si tu veux casser Tybrez, effectivement. Je peux en vouloir une petite quantité, quoi. Je peux en vouloir une petite quantité. Je peux vouloir une montagne. Et deux fabuleux passages. C'est approximatif, hein, la mana base là. Sa version est dispo sur Twitter. Bah, on va aller voir. Genre, moi, je fais un truc un peu comme ça. On va voir un peu ce que lui nous propose. Je regarde ça. Alors, Mr. Jeff. Ah, c'est bon, il a mis sa version. Alors, pour l'instant, on est bon. Alors, les 4 communes, on est bon. Les 4 maîtres, on est bon. Les 4 OTPEC, on est bon, pardon. Les 4 bouviers, on est bon. Les 4 régisseurs, on est bon. Ils jouent pas de piétinement sauvage main deck. Ok, ils sont dans le side. Nice. Intéressant. Main deck, il joue pas d'interaction. Il joue 4 Ripjaw Raptor. Main deck, il a des Shifting Ceratops. Je pense que ça, par contre, je vais pas le suivre dans l'idée. Et 3 Ferrocydons, par contre. Ok. Pour la mana base. Donc nous, on aura 2 slots à réserver à autre chose que ces Ceratops. Pour la mana base, il joue donc du coup 2 forêts, un marais. Ça me fait tellement chier de devoir jouer un marais main deck. Mais ok, on va lui faire confiance, on va tester sa liste. Ensuite, il joue 2 Blood Crypt. Nous, on les a enlevés. Un Dragon Skull Summit. Wouah, elle est tellement chiadée, ça. Elle est tellement chiadée, sa mana base. Genre, elle a pas l'air bien meilleure que la nôtre, hein. Ouais, on va rester sur notre mana base. On va rester sur notre mana base. Et pour le side. Pour le side, alors, il joue des remorses. Incroyable. Ok, des remorses, c'est pas mal. Donc c'est Agonie, je crois. Pas Râle d'Agonie, non, ça c'est dans un autre jeu d'ailleurs. C'est Remords, pardon. Affre de Remords, je crois. Donc il joue des Affres du Remords. Ça doit être très difficile à caster dans cette decklist. Mais why not? Il joue des Grasp plutôt que des Flameswipe. Ah non, il joue les Flameswipe plutôt que les Étreintes de Lave, pardon. Donc Noxious. Donc c'est Emprise en français. Intéressant. Deux Emprises, trois Balayages, une Ferrocydonte, deux Brontodontes, deux comme ça. Quelle est la dernière carte qu'il joue? Deux Shifting Ceratops dans le side et deux main deck. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de jouer, nous, en main deck, à la place de ce vilain Ceratops là, qui est quand même pas très plaisant, on va pas se mentir, il donne pas envie ce vilain Ceratops là. Je crois d'ailleurs que ça va switcher pour un Dragon Skull Summit quand même, histoire de respecter un peu le fait qu'on joue des Remorse. Pas un Dragon Skull Summit, un Woodland Cemetery. Donc c'est cimetière. Tac, ouais. Collision Colosse, c'est pas trop mal. Galta, c'est ok aussi. Ferrox, c'est pas fou, non. Salut Shasta. Non, là, on a pris en exemple la version de Woodland et il n'y a pas de Galta, donc je lui fais confiance. Ouais. Collision Colosse, c'est ok en vrai. Hein. Ça peut être intéressant d'avoir ça dans le main deck. Ça nous libérerait d'un slot interactif. Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes de créatures volantes qu'on a envie de gérer dans le format? Je suis même pas certain.
Ça permet quand même de passer des points. On va tester ça comme ça. Let's go! Ok, ouais, on m'a proposé Gretenge pendant la création du deck, mais je suis pas certain que ce soit bien. Ok, je joue contre Snow. Cette main, on en dit quoi? Cette main, elle est bien parce qu'on a un drop 1 qui va nous chercher de l'accélération. Et puis le reste, on peut caster notre main. Ça a l'air ok, je pense. Genre là, on veut un Bouvier, typiquement. Le problème de Raptor, c'est qu'on le joue pas tour 2. Après, ça fait des trucs tellement débiles, on a vu tout à l'heure. Ouais, je crois qu'on prend quand même ça. Hein. Salut Squall Kiko! Je pense que c'est. En fait, moi je m'attendais à ce que le méta ça soit très Nexus, Golos et tout, et je pense que ce deck-là, dans ce format-là, il s'y met pas très très bien. Par contre, si le méta c'est en train de devenir beaucoup de decks aggro et tout, c'est un bon deck Dinosaur. C'est un deck qui est abordable, qui est acceptable en tout cas. Genre, ça sera pas le meilleur deck du format, mais c'est sûrement un peu mieux que ce que j'estimais en début de stream. Ouais, et là on joue un deck créature et on tombe contre un match-up contrôle, c'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on change de deck, on tague le mauvais adversaire. Ça après c'est la loi de Magic Arena malheureusement. Si c'est Monoblo Trésor Combo, on risque de perdre cette game. Non, ça va. Oula, merde! Oupsi, désolé. J'ai fait de la merde. J'ai même pas vu ce que ça nous proposait d'ailleurs. Wow, mono bleu qui nous laisse résoudre Régisor. Cadeau ça. Attention, tu vas te pinguer pour rien les joueurs dans ce sens. Eh ouais, mais non, parce que je voulais contourner un. Tourner autour d'un contre-sort, donc j'accepte de me piguer pour rien et de me faire contrer d'abord Ferrocydone pour passer Régisor. Tel était le but de la manœuvre ici. Non, il n'y a pas eu de mythique invitationnel en historique, c'est pas un format compétitif, Nurgle. Ouais, il est trop talentueux pour nous, lui aussi, malheureusement. Ce qui est un peu relou. On peut peut-être encore la gagner cette game, mais c'est pas très bien engagé. Hein.
il trade là, il prend 9. Il prend tout. S'il me tue pas à ce tour-ci, il est mort, je crois. Moi, je vais trade là, je pense. C'est même pas dit en vrai. Il a aucune reach, je peux pas mettre de points à distance. S'il attaque comme ça, il faudrait qu'il ait plusieurs enjambeurs. Moi derrière, si je bourre, qui bloque la plus grosse, il prend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a encore un contre. Qui prend un. Ouais, je bourrais tout, hein, sans cag, hein, en vrai. Hein. Ah, mono bleu, c'est désagréable hein, quand tu rencontres ce deck-là, ouais, carrément. Alors, du coup, Ceratops, effectivement, s'il y a beaucoup de mono bleu, je comprends tout à fait l'utilité de la carte. Je crois qu'on veut bien des interactions. C'est probable que Balayage de Flamme soit ok aussi comme carte, hein, en un certain nombre d'exemplaires. Tailbraise, il y a des chances que ça ne passe jamais. Collision Colosse, c'est ok. Raptor, c'est peut-être un peu mollasse. Ces créatures, la plupart du temps, vont être volantes, donc pas bloquées au sol. Du coup, ce Raptor va rarement faire beaucoup de magie. Je jouerai comme ça, moi, mais je suis pas persuadé de ce que je fais, hein. S'il y a beaucoup de mono bleu, c'est intéressant d'avoir les Ceratops main deck. Faudra peut-être y penser du coup. Oh, mais c'est pas grave, lui il se prend quand même des points. Oh, ça, c'est une main horrible, exécrable. C'est une mauvaise main, mais. Mais c'est acceptable parce qu'on a communion avec les dinosaures et Ceratops. Il est en mulligan, c'est une bonne nouvelle. Je crois que Raptor c'est plus important que le deuxième mana vert pour Ceratops. Ça nous permettra d'avoir piétinement sauvage typiquement. Genre s'il décidait de. En fait, il a pas beaucoup de cartes en main et s'il décide de trouver, comment ça s'appelle, Curieuse Obsession, on sera content de pouvoir avoir une gestion. Chose qu'on n'avait pas. Là, il peut sûrement contrer avec son truc de la vigie ou je ne sais quoi là. Sirène Bombe Tempête. Il va prendre bien Chéros sur Balayage de Flamme lui. Je l'ai joué à son entretien parce que si jamais il avait envie de me contrer, au moins il utilisait son mana pendant son tour. Je dois appeler plutôt classique, mais.
On n'a pas trouvé ce deuxième V1 pour Ceratops. Ça, c'est quand même chiant, quoi. C'est pas horrible, mais un peu dommage. Piétinement, c'est moins cher, mais ça attrape pas les Planeswalkers. Donc, il y a quand même des bans, Nergul. Hein. Ouais, il trouve des bonnes cartes. Si top deck Curieuse Obsession, je deviens dingue. Si top deck Curieuse Obsession, je pars avec le deck 56 îles. Genre, rien à foutre. Insane. Ouais, mais je veux aussi qu'il puisse avoir la célérité, quoi. Je... Ok, d'accord. Le prochain, c'est 56 îles. Ils m'ont tous bandé, là. Oh, les mecs, ils top deck comme des porcs, c'est insane. Comment faire? Comment faire pour me prémunir, quoi? Parce que là, du coup, je peux pas bloquer le vol avec lui. Je peux donner plus un, et cette créature se bat ensuite. Et si elle se bat, du coup, elle die. Je crois que je préfère faire mourir le maître chasseur. Il faut que ça soit un dinosaure? Ah non, pas forcément. Ok, on va faire comme ça. Ah, ils sont vraiment, vraiment très très doués, hein. C'est incroyable. Bon, ça devrait suffire, je pense. Dix et cinq. Je peux pas donner la célérité si je veux bourrer avec tout le monde. Ouais, bon, dans tous les cas, on allait gagner. Je voulais juste compter correctement. Ah ouais, Ceratops, il est très bien, ouais, effectivement. C'est sûrement mieux que Collision Colosse, en fait. S'il y a beaucoup de mono bleu, je valide. Je valide fortement. Par contre, on est d'accord, fin de stream, il faut péter un plomb. On pète un plomb, on devient fou, hein, je vous le dis. Hein. Let's go, c'est parti. On va jouer le plus mauvais deck du format historique. Merde, je me suis trompé de format, quel con. Historique traditionnel. Voilà. Alors, est-ce que c'est le... plus mauvais deck historique traditionnel, c'est Banc de Sable Isolé, c'est Mystique, c'est Trésor, c'est Oracle, et c'est Zone de Déflagration. Erreur. Ces îles sont si moches. Je deviens dingue. Voilà, merde. Je dis merde au ladder.
Ah, j'avoue qu'au Raval, je mets que des illustrations d'îles différentes. Ah putain, je suis con, putain, merde. On est sûr de tuer tour 4 vu qu'on bottom oracle de Tassa. C'est parfait ça. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mulligan 6, bottom oracle de Tassa. Comme ça, on sait qu'il est tout au fond. Parfait. C'est la meilleure sortie qu'on puisse faire. Mulligan 6, oracle de Tassa, chasse au trésor. Incroyable. Merci Max the Hunter pour le raid, pardon. Raid Shadow Legend. Pas du tout. Le moment désagréable de ça, incroyable. Oula, surtout pas. Ah, oh, j'y suis presque. Encore? Putain, insupportable. Oh. C'est quoi le but en fait? Tu vas voir Draconis, tu vas vite comprendre. GG, on passe à la 2. Ah ouais, ça gagne contre Field et Nexus. C'est vraiment c'est le garde-fou du format, hein, vraiment. Je crois pas qu'il ait de contre à la 2, lui, donc on va pas rentrer le spell pierce. Let's go. Ouais, la lenteur du mec en face à comprendre ce qui se passe. Parce que normalement, il doit déjà être parti, tu vois. Il voit double heal, chasse au trésor. Normalement, il explose. C'est autorisé un truc pareil. Bah en vrai c'est de la merde, hein. Tu prends le premier contre venu et t'as perdu. Mais c'est tellement rigolo contre les decks qui respectent pas en fait. Genre Field of the Dead, ça respecte pas ce deck-là. Du coup tu gagnes automatiquement, c'est trop bien. J'ai rien compris, Val, au secours. Je vais expliquer sur cette game-là si t'as pas compris. C'est quoi le land qui fait mana infini? On n'en a pas besoin. Ouais, faut juste taguer les bons decks après. C'est sûr, si tu tags mono rouge, tu vas perdre. Si tu tags Esper Control avec 10 contres, tu vas perdre. C'est un deck de canaille, ça. Je prends l'explication aussi. Je vous explique, là, dès que mon adversaire relance la game. En fait, là, mon adversaire est en train de regarder s'il a des contres dans son side. Ou de la défausse, s'il a ni l'un ni l'autre, il va juste s'en aller. Voilà, il pourra pas gagner. Ouais, mono rouge, si tu commences, c'est jouable. Alors, t'es obligé de mulligan toutes les mains qui n'ont pas chasse au trésor. Tu peux pas jouer sans la carte. Donc tu mulliganes. Et si tu descends en dessous de mulligan 3, bah tu as perdu automatiquement la partie. Ça fait partie du jeu.
Ouais, c'est très marrant. Bon, c'est quand tu craques, quoi. Mais en vrai, jouez pas ça pour monter le ladder. Hein. Il y a plein de mecs qui connaissent le deck et qui le respectent. Et juste Mystical Dispute, ça te fait remballer. Donc, je vous conseille quand même pas de jouer ça. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo, quoi. Allez, poteau, faut que je continue à mulligan, moi. Mulligan 5, j'ai encore deux mulligans pour trouver ma carte. Encore un mulligan. Je vais devoir. Je garde deux cartes. Vu que je commence pas, c'est ok. Mulligan 2, ça passe aussi. Ouais, lui aussi, il a dû faire pareil dans une des fosses. C'est quoi? Les cartes du cimetière ne peuvent pas exiler toutes les... Ouais, je crois que ça, on aura le temps d'éviter de se prendre ça. Je sais pas trop ce qu'il va dire avec sa longue vue. L'oracle, je l'ai mal mise. Ah merde, je suis un connard, j'ai mal mis l'oracle, on n'aura pas l'étale dans le tour. Ouais, j'ai fait une connerie. Normalement, quand vous avez l'occasion de bottom l'oracle, vous le mettez tout au fond, j'ai fait une bêtise, effectivement. Je joue pas souvent le deck, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Du coup, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on aura un tour de... Tour de plus, quoi. Donc en gros là quand vous castez chasse au trésor, vous ne pouvez trouver dans votre deck que une autre chasse au trésor ou un autre oracle. Si vous trouvez un autre oracle, vous allez avoir besoin de sanctuaire mystique, donc le terrain qui permet de reprendre la chasse au trésor que vous avez joué, pour continuer à trouver une chasse au trésor, vider tout votre deck et gagner sur oracle de Tassa. Parce que l'oracle de Tassa dit que quand vous avez plus de cartes dans votre deck, vous gagnez la partie. On peut garder les Blast Zone, ça pourrait être intéressant. Tac tac tac. Alors cette phase-là, je vous avoue, j'en conviens, elle est extrêmement chiante. Il a dit quoi sur longue vue? Il a dit chasse au trésor, mais je crois qu'il a pas compris notre adversaire. Parce que chasse au trésor, ça dit que tu pioches jusqu'à trouver une carte mon terrain. Ah ouais, j'ai fait de la merde, on aurait dû gagner le tour d'après et en fait on n'a pas gagné. Et donc comme les seules cartes mon terrain dans ton deck c'est Oracle de Tassa et Chasse au Trésor, tu vas forcément trouver l'une des deux. Et après la suite est logique, hein. Tu vides ton deck, parce que tu ne pioches que des terrains, et tu joues ton Oracle de Tassa. C'est de la magie! C'est de la belle magie. Merci beaucoup, Musty Floataway, pour le sub. Ouais, c'est très très rigolo comme deck. Riad du Bosquet, soit. Mais du coup, là, on avait gagné ce tour-ci si j'avais bien bottom. En fait, si j'avais mis Oracle de Tassa, le tour d'après, j'aurais pu faire Chasse au Trésor, piocher Oracle de Tassa et le jouer dans le tour. Là, le problème, c'est que je vais faire Chasse au Trésor, piocher Oracle de Tassa, mais j'aurai encore 4 cartes dans mon cimetière, donc j'ai perdu un tour, malheureusement. Ça, c'est de ma faute, c'est juste moi qui ai mal joué. Normalement, on avait gagné ici. Non, c'est bon. Vu que j'ai pioché mon oracle, j'ai eu de la chatte. Là, on peut chasse au trésor. Ça va juste vider notre deck. Et là, on joue l'oracle. Et c'est bon. Voilà. On a eu de la chance sur l'ordonnement. C'est le meilleur deck pour les gens qui respectent pas ce deck-là, en fait, tout simplement. Alors. Oh, to beat Field of the Dead. Ah ouais, mais carrément.
Il faut que ça soit dégueulasse. Hein. C'est un deck dégueulasse, donc il faut vraiment pas hésiter à être dégueulasse. Je trouve ça incroyable. Ah mince, il nous manque des îles. Bon, c'est pas grave, on va faire des doublons. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'îles pour faire un truc vraiment, vraiment cringe, quoi. Allez, une dernière? Ouais, c'est vraiment un deck troll par excellence, mais c'est un peu ce qu'il y a dans les formats éternels des decks qui vont quasiment tout le temps gagner la une, des decks combo très très all-in comme ça, et qui par contre après side vont se faire défoncer par des cartes de hate spécifiques. Du coup le but c'est de gagner la une et essayer de voler une des deux après quoi. On peut trouver ce deck où? Bah un peu partout, Yann Fab, hein, il a été plutôt bien démocratisé il y a quelques jours là. Ouais, bien sûr, je vais bundle, évidemment qu'il y a une vidéo YouTube sur ce deck là, évidemment. On s'est bien marré d'ailleurs. Ah, on va juste perdre parce qu'on trouve pas notre. Malheureusement. Est-ce qu'on a besoin de sanctuaire? Je crois pas. Donc alors, dans quel ordre ça va, là? Mettez les 5 cartes au-dessous de votre bibliothèque. Il faut que je mette l'oracle en dernier, on est d'accord. Comment je sais laquelle est la dernière? C'est l'oracle? Est-ce qu'il faut la mettre là? Ou il faut la mettre là? On est d'accord, c'est comme ça. Hein. J'attends que le chat valide. Est-ce que vous validez? C'est le bon ordre en... ouais, à gauche. Ok, let's go. C'est bon. Parfait. Voilà, bah typiquement ça, s'il avait commencé, on gagnait pas. Là, on peut peut-être espérer gagner. Enfin, il y a à peu près toutes les raisons de penser qu'on va gagner tour 4, normalement. Quel joueur immonde. C'est vrai que je me déteste un peu de jouer ça. Insupportable par contre ça. On devrait pouvoir genre avoir une défausse automatique. Genre tu tapes heal et ça défausse et tu rentres un chiffre et tu dis défausser 20 heal quoi. Parce que là le jeu genre il est pas pris en compte pour ça quoi. Il est pas fait pour te faire défausser autant de cartes. Faites gaffe à pas défausser votre chasse au trésor sinon vous perdez la partie. C'est automatique hein, malheureusement. Ouais, le jeu, il a du mal. Bah, c'est pas le jeu, c'est le joueur, tu vois. C'est genre moi qui ai du mal. Mais bon, là, c'est bon, il nous tuera pas. On fait chasse au trésor dans Oracle, on a gagné. Alors après, pour punir ce deck-là, c'est très très simple. Hein. Spell Pierce, Mystical Dispute, Défausse. Enfin, c'est vraiment très très simple d'interagir avec ce deck-là. Deck aggro sur le play. T'aurais dû garder un cycle lente. Bah non, j'ai pas besoin en fait. Je tourne après, je fais chasse dans un truc et j'ai gagné. Ouais, elles sont jolies les îles. Hein. Yes, nice.
faut punir les decks comme ça, ouais. Ok, Arena te punit parce que c'est super chiant à défaut, ouais, peut-être. C'est vrai que ça doit bien battre le deck Dino de Jeff Hoogland. Hein. Pareil, s'il n'y a pas de défausse ou de contresort, vous rentrez pas Spell Pierce. Même s'il y a de la défausse, Spell Pierce, c'est pas bien. C'est vraiment pour les contresorts. Je trouve vraiment que ce deck est incroyable. Bien sûr, Didas, qu'on peut jouer autre chose que ce deck, évidemment. Ouais, je vous encourage même d'ailleurs pas à jouer ça, parce que plus le deck est connu, et plus c'est de la merde, tu vois. Genre, moi, typiquement, maintenant, dans tous les decks que je vais jouer et qui ont accès à du bleu, j'aurai une solution contre ce paquet-là, quoi. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Deck budget pour monter en ladder historique. Le titre putaclic. Ah ouais, ça coûte rien du tout. Ouais, Mage T2 qui dit Oracle de Tassa, bah typiquement moi dans mon deck Jeskai Human Stacks, peut pas trop perdre contre ça. Déjà parce que tu peux l'agresser et parce que sur le moindre mage, t'as gagné en fait. Auto mythique. Ouais. Par contre, la case 9. Il va commencer et c'est possible que ça aille trop vite pour nous. Ouais, bah Monored là il peut pas ça, il faut juste qu'il prie pour avoir une super sortie quoi. Une sortie qui tue en 4 tours. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça, même en 5 tours là je pense. Vu que j'ai pas Oracle au fond de mon deck, je vais devoir faire un coup de chasse au trésor en plus. Tu perds aussi quand tu fais trésor dans Oracle. Alors non, parce que... Enfin, tu perds un tour, mais tu perds pas la partie. Parce que tu fais Sanctuaire Mystique sur ton trésor. Quand ça se passe comme ça. Est-ce qu'il nous tue le tour d'après? Je crois pas. Ça va être chaud. Et là, on a trouvé Chasseur et pas Oracle. Tant mieux pour nous. Oula, attention. C'est vraiment un deck combo en fait qui n'a aucune interaction avec ton adversaire, quoi. Mais vraiment aucune. Genre tu lui dis même pas bonjour quand tu t'assois à la table. Si la clip c'est Tandax. Ouais non mais là je pense que cette game elle est perdue. Hein. Il va nous bourrer bien avant qu'on puisse le tuer, je pense. Un misclic est vite arrivé. Bah ouais, en vrai, hein, étonnamment. Oulolololo. Ah ouais. Oh, le tour d'après, on est vraiment mais bien bien mort, quoi. Dans quelle situation on vit? J'ai pioché là? Ah ouais. Aucune, je crois. Là, je pioche jusqu'à Oracle et malheureusement, il reste encore des cartes dans le cimetière, donc. Donc on a perdu, je crois. Enfin, des cartes dans la bibliothèque, pardon. Ouais, elle était trop rapide pour nous. On vit si Oracle dans les trois cartes. Ouais.
Même pas, hein. Je crois qu'on vivait pas tant que Oracle n'était pas létal ici. Imagine jouer ça en papier. Oh, ça doit être vachement drôle en papier. C'est beaucoup plus simple de défausser en tout cas. Ce deck, t'as rien à faire, mais tu peux quand même faire mal. Ouais, bah, tu peux mal jouer, mais qu'est-ce que moi j'ai mal fait là, Marabunta? Oh, en vrai, il y a des séquençages. Tu peux perdre des games parce que t'as mal séquencé ou parce que t'as pas temporisé, quoi. Il y a sa dévotion, t'as le droit. Est-ce qu'il reste deux cartes? Ouais, on est d'accord, mais comme on connaissait les trois cartes du dessous de notre pack, je veux un bundle, et on savait qu'il n'y avait pas Oracle, on pouvait pas la gagner. Oh. Ah non! Ah! On peut pas bottom Oracle, mais au moins on est sûr. Non, c'est bon en fait là. On peut garder Oracle dans la main de départ, je crois. Ouais, je crois qu'on peut garder. Ok. Ouais, c'est ça, je fais 3 fois Treasure Hunt et on a gagné. Vu qu'on est sur le play, ça devrait suffire. Vraiment ce deck insensé quoi. D'ailleurs merci Nergul hein, pour m'avoir parlé de ce deck là. Ça nous a bien amusé avec PL. Ouais, il y a peu de chances qu'il nous tue. Qui nous tue avant le tour 4, malheureusement pour lui. C'est super chiant, par contre, ça. Hein. Faut pas défausser l'oracle. Ah bah non, c'est sûr, ouais. Faut clairement pas défausser l'oracle. Bon, on a gagné du coup. Facile, hein, en vrai. S'il y a un défaut, c'est que par contre, tu peux pas gagner avant le tour 4. C'est minimum tour 4. C'est un peu chiant. Bah lui, au moins, il est puni, voilà. Punition. Je peux même piocher une carte et faire directement Oracle, je crois. Ça coûte pas plus cher. Non, même si t'as la chasse en last card, tu loses pas parce que tu pioches ta dernière carte, t'as plus de bibliothèque et tu gagnes. Let's go. C'est pas grave, l'effet il est quand même en pile en fait. Je peux vraiment rien y faire, c'est insane. Genre quand tu le respectes pas, c'est tellement trop bien. Mengu avait fait T3, il me semble. Mais comment il fait T3, Mengu? Il faut que les deux dernières cartes de ton deck soient deux trésors cruise. Enfin, deux chasses au trésor. Et que tu aies la troisième en main. Tu pioches l'entièreté. Il faut que tu aies la troisième en main plus l'oracle de Tassa, pardon. Tu pioches l'entièreté de ton deck autour 2. Et au tour 3, tu fais Oracle de Tassa sur tes deux derniers. Ouais, ça marche. Tu peux. Tu peux, tu peux. C'est possible que ça marche, ouais. Par contre, la dévotion est 0, donc fais gaffe à la fin. Oui, mais comme j'avais 0 carte dans le cimetière, c'était bon. Si jamais il restait une carte, j'aurais d'abord joué la Treasure Cruise, quoi.
Donc ouais, c'est possible de faire tour 3 si tu as spécifiquement Oracle et Chasse et que les deux dernières cartes de ton deck sont trésors. Mais c'est cool quoi. Non, la dévotion elle est à 2, mais quand il fait anti-bête, au moment de la résolution du spell, ta dévotion elle est à 0. Parce que ta créature elle est morte. La capacité elle est en pile. Ta créature elle meurt parce que ton adversaire a répondu. Donc la créature va mourir avant que sa capacité se résolve. Et quand sa capa se résolve, ta dévotion elle est de 0. S'il me restait une carte dans la bibliothèque, je gagnais pas la partie. Donc si j'avais 0 carte dans ma. Dans mon cimetière, je gagne quoi qu'il advienne. S'il me restait une carte, j'aurais dû passer ma chasse au trésor, lander et faire. Oracle de Tassa pour enlever les dernières cartes quoi. Bon, si tu prenais un vrai deck Val, mais tu sais quoi, je vais faire mieux que ça, Sliver, je vais prendre une pause définitive, c'est-à-dire que je vais arrêter ce stream. Je vous remercie d'avoir suivi cette soirée-là, c'était cool, on s'est bien amusé, même si je me suis fait un peu saucer le saucer, voilà, tout simplement, je me suis bien fait saucer pendant pas mal de temps sur le stream, mais là voilà, je vais aller manger. On se retrouve très rapidement. Dans tous les cas, parce que bah voilà, maintenant qu'on est confiné, forcément, bah, on va streamer ci et là. Je streamerai peut-être demain, en vrai. Ça dépend de quand est-ce qu'on enregistre les vidéos avec PL. Mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, le prochain stream, c'est Pierre-Louis, jeudi soir à 18h. Il y aura la Matival vendredi matin. Il y a des streams qui vont popper ci et là, des streams sauvages. Donc voilà, restez connectés. Abonnez-vous à. Enfin, abonnez-vous. Suivez la chaîne Twitch, pardon, pas labo payant, juste le follow gratuit. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'on part en live, il y a une petite cloche aussi, je crois. Enfin, une petite annonce pour ne rien louper. Et puis voilà, pour les prochains lives, peut-être qu'on continuera à faire de l'historique, peut-être qu'on fera du standard, peut-être qu'on fera des petits duels viewers et tout. Voilà, on va voir, on prendra le temps, on mettra aussi un peu de musique, il n'y a que les streams du mardi soir qui sont sans musique parce qu'ils sont voués à aller sur YouTube et à ne pas se faire striker, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée. On va aller raid Jirok qui est en train de streamer. Donc voilà, je vous laisse lui passer le bonjour, lui souhaiter une bonne soirée. Bon stream à lui. Je vous fais à tous des poutous. Merci d'avoir suivi cette soirée. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Prenez soin de vous, confinez-vous correctement. Et puis, prenez soin de vos proches. Gros bisous. Et puis, on se retrouve bah, peut-être demain ou alors vendredi. Ciao, ciao!